Salut à tous. Donc voilà, on se retrouve Commandant. pour un nouveau live. Donc voilà, sur les aventures d'Ethan Deadshot. Donc c'est parti. Alors on va se mettre dans la radio. Tac, on va tout régler ça. Hop, c'est parti. Alors, j'ai dit qu'il fallait que je me mette en appuyé pour parler. Voilà, ça y est, c'est fait. Ensuite, ping, boum. Boum, Commandant. voilà. Ouais, mon petit. Mon commandant, je peux rentrer? Allez-y, rentrez. Ah, d'accord. Alors oui, ce serait juste pour savoir si on met les gilets pare-balles ou pas. Les gilets pare-balles, moi je préférerais, c'est quand même mieux, on sait jamais ce qui peut se passer. D'accord, parfait. Voilà, je trouve que c'est ça fait peut-être un peu plus agressif, mais au moins vous êtes protégés. Voilà, comme ça vous êtes D'accord. tranquille. Voilà. Bah, c'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez la petite voiture et tout. Ouais. Oui, nickel. Ok. Alors si, venez que je vous Merci briefe mon là. commandant. Ah, On est oui. sur là en ce moment on est sur une enquête. Bon, je vais pas vous mentir, ça va peut-être mener à rien. Mais en fait, il y a 2 jours, le mécano s'est fait voler un camion avec un chargement de 40 chalumeaux. Donc il se l'est fait voler au niveau des docks quand il a réceptionné la marchandise. Mais après, bon, le modèle du camion, c'est les petits camions. Et il n'y a pas de plaque d'immatriculation, il n'y a rien de plus, il n'a rien su me dire de plus, mais il a une cargaison de 40 chalumeaux qui ont été volés. D'accord. Je patrouille comment vu que je suis recrue? Non, t'es pas recrue, vous êtes officier normalement. Ah oui, autant pour moi. Du coup, je patrouille là-bas? Ouais, Vous vous voulez pat que je alors patrouille là-bas? bah, vous patrouillez, hein, moi souvent je m'occupe du nord. Après vous patrouillez un peu partout, vous regardez ce qui se passe, voilà, ça va être de la patrouille. Bon, on patrouille pas à deux parce on n'est pas beaucoup, donc on couvre un plus large territoire en patrouillant chacun de notre côté. Et puis bon, de toute façon, s'il y a un problème, vous appelez directement sur la radio et puis Par voilà radio. quoi. Après, Carnatif. parce qu'en fait, ouais, des fois, plusieurs dans un véhicule, c'est compliqué quoi. Donc vous faites votre petite ronde. Moi je fais toujours ma ronde dans le nord. Après, voilà, centre-ville. Surtout, Ah, ouais. moi je vais patrouiller au niveau du centre-ville si vous voulez bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Et mon petit Jérémy. Oui. Ouais, si tu veux, tu pourras aller faire un tour aussi vers les docks. Je pense que ça peut être intéressant aussi les docks. Oui, je comptais faire ça et... Ok, moi je vais envoyer un petit message là, savoir si le patron du Beniz il est là là pour aller faire un petit custom. Donc je prends pas mon service tout de suite. Mais si jamais il y a besoin, vous m'appelez, ok? Ouais, de toute façon, moi j'allais aussi parler du système de la voiture aussi. Donc vous faites attention et si vous voyez un endroit un peu suspect, un bâtiment, vous essayez de voir si on peut y rentrer et tout, parce que bon, je regarde un petit peu s'il n'y a pas des petits points, vous voyez, où c'est qu'il peut y avoir du business, quoi. Donc moi je fouille les maisons, je fouille les hangars, j'essaye vraiment tout quoi. En tout cas, du côté aéroport, pour l'instant, il n'y a rien. Je vois Ah des oui, bus. donc méfiez-vous aussi, vous voyez les alertes sur vos. Sur vos téléphones là, par exemple la bagarre en cours déclenchée. Sachez que des fois c'est rien. Des fois il suffit juste. Regardez, enfin non, je vais pas vous faire voir, je vais vous tartiner la tronche. Si on donne un coup dans le vent, en fait, bah, ça déclenche une alerte. Hein. Donc faites attention, des fois c'est rien. Mais je vous dis pas de pas y aller par contre. Par contre, vous devriez faire un petit jump, officier. Voilà. Oh. Voilà, impeccable, c'est bien, c'est bon pour la santé faire un petit jump. Ah, Donc c'est alors, sportif, hein. je rappelle que bien entendu, taser, matraque, lampe de poche, le petit pistolet, et bien sûr pour les lieutenants et pour moi-même le fusil à pompe. Donc on prend pas de fusil automatique, ça sert à rien. On part pas à la guerre. Donc voilà, donc pour un. Affirmatif. Pour l'instant, c'est uniquement ce qu'on a en enquête, l'histoire des chalumeaux volés. Et le gilet pare-balles, non, pas.
Oui, le gilet pare-balles, oui. Le gilet pare-balles, de toute façon, c'est limite un automatisme. Hein. Vous partez, gilet pare-balles, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et après, si vous voulez, s'il y en a un de vous qui veut, si jamais le patron du Beniz il est là, je vais aller voir moi, si jamais il est là, pour voir s'il n'a pas plus de renseignements. Mais bon, s'il n'a pas retrouvé ses chalumeaux et tout, bah, à mon avis, on les retrouvera pas ceux-là. Donc pareil, hein, si vous croisez un citoyen qui veut, qui demande pour le PPA, hein, donc voilà, c'est nous qui le faisons passer. Donc voilà, c'est vu que j'ai eu déjà le cas hier. J'ai fait passer le PPA au petit patron du Beniz là. Permission de manger, mon commandant? Oui, tout à fait. On est dans une optique où c'est que manger, c'est la vie. Y a pas de souci, hein. Si je suis en train de parler et que vous avez faim, hein, mangez. Hein. Je préfère encore que vous mangiez devant moi plutôt que vous tombiez par terre. Je suis obligé de faire de la paperasse et puis d'appeler les EMS, quoi. Vous voyez? C'est pas que je vous aime pas, les petits gars. Je vous aime bien, vous êtes C'est ma sûr, c'est famille, mais sûr. bon. Je préfère encore que vous mangiez un burger plutôt que vous ramassez la petite cuillère par terre, là, agonisant, en faisant. Vous voyez, c'est un peu chiant, quoi. Petite question, il y a des codes qui sont mis en place pour la radio ou pas? Enfin, vous Alors, souhaitez en mettre? pour l'instant, non. Pour l'instant, les codes sont pas encore mis en place. Donc, je pense que d'ici quelques jours, ils seront mis en place, mais pour l'instant, non, pas encore. Pour l'instant, c'est voilà, c'est indication. À l'ancienne, on travaille à l'ancienne et puis après les codes vont être mis en place. Affirmatif. Voilà. Donc après, de toute façon, pour l'instant, on est sur. Permission d'aller en patrouille? Oui, bon, vous pouvez aller patrouiller. Donc vous faites bien attention à vous et puis bah, suivez partout. Ça va, mon petit Jérémy? Affirmatif. Oh, c'est bon, c'est bon. Il y a aussi. Ok, je compte sur vous, les petits gars. Bon, alors moi, il faut que je fasse ça. Hop. Je vais en mon OBS de devant l'écran. Voilà, ça sera mieux. Yo. Ça va, frangin, ou quoi? Ah merde, non, mais dégage, OBS, pas devant l'écran. Ça va, frangin, ou quoi? Voilà, c'est là. Hop là. Oh mon corps, petit problème. Oui, Excusez-moi du large, dites-moi. bon, mais il semblerait que Ginette, là, l'armurerie se sente pas bien. Du coup, l'armurerie n'est pas très opérationnelle. Attendez, je vais aller On voir peut ça. pas acheter d'armes. Ben, vous n'avez pas accès au coffre directement, sinon? Ah ouais, mais ça fait rien. C'est couillé. Elle a fait un AVC, je pense. Ah ouais, pour acheter les armes pour nous-mêmes. Ah Je non, crois non. que. En fait, je vous explique, j'ai mis pile poil le compte d'armes dans le coffre, donc vous prenez une arme directement dans le coffre. Hein. Ah d'accord. Ouais, j'ai. Parce que je Parfait. me suis dit, si jamais les hommes payent leurs propres armes, ils vont commencer à vouloir se balader avec leurs armes. Ah ben même hein. Ah moi j'y arrive pas à les prendre. Là, ils sont scotchés. Ah, bah je crois que c'est un problème de grade alors. Parce que moi. Hop, voilà. Vous arrivez vous? Oui. Hop là, regardez. Moi j'y Vous arrive, arrivez à prendre les armes? ouais, moi j'y arrive. Donc ça doit être un problème de grade à mon avis. Pas de problème. Alors. Je regarde contre le mur. Ah oh, putain, elles sont belles ces briques là. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, c'est 6, 7, magnifique, 8, tiens. 9, 10. Ok, donc ça sera noté sur la liste des choses à faire. Vous êtes bien Du coup, c'est officier. quel pistolet? C'est celui-là ou pas? Alors le pistolet, je vais vous dire ça tout de suite, comment il s'appelle déjà? Le combat, c'est celui de Ouais, combat. c'est ça, c'est le combat, ouais. On peut le customiser ou pas l'arme? Vous voulez faire quoi? Je peux mettre les silencieux dessus. Vous êtes pris dans la mafia ou quoi? Ouais.
Non, on va Non, pas non, mettre les non, pas silencieux. de silencieux, vous rigolez. À la rigueur, vous Non. pouvez mettre une lampe torche dessus quand vous partez dans un bâtiment dans le noir. Mais pas un silencieux. Voilà, la petite lampe torche, ça fait classe. Mais je viens seulement de les recevoir. Ah, Ouais. c'est de l'arnaque. Comment ça? Ah bah je viens seulement de recevoir les armes là. Ah, d'accord. Ouais, mais ça, c'est Ginette. Ginette, elle est pas trop. Voilà, quoi. Des fois, elle est un peu absente dans sa tête, quoi. Vous voyez? Mais bon, c'est une brave fille, Ginette, vous inquiétez pas. Ah oui, je m'inquiète pas. Hein. Bah, c'est Alors bon, du vous coup, avez. on a dit lampe de poche, Lampe de matraque, poche, matraque, taser. mes poings. Taser et pistolet de combat. Affirmatif. Donc pareil, hein, n'hésitez pas, le taser peut crever les pneus. Hein. 10-4, 10-4. Bon, bah c'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut. Oui. Bon, bah c'est parti, allez patrouiller et mettez-moi tout ça au pas. Donc si Je prends la jamais. Cruiser ou la Crown Victoria. Bah, la Crown Victoria, moi j'ai pas accès, donc si vous y avez accès, vous choisissez. Bon, la Crown Victoria, c'est le mieux pour moi. Hein. Vous voulez la Victoria? Je peux vous la sortir de mon garage si vous voulez. Non, ça va aller. Après, c'est moi je roule toujours dans soit dans le SUV banalisé ou dans la Mustang. Donc, Bah vous me dites si jamais vous la voulez, hein. ouais, y Parce a pas que de. elle y sera pas avant la tempête, donc si vous voulez, je. Ok, bon, y a pas de problème. Bah, Je. Hein? vous prenez celle qui vous plaît. J'aime bien que mes petits gars aient deux modèles, Affirmatif. comme ça ils peuvent changer de temps en temps. Donc voilà, donc vous D'accord. prenez. C'est bon, Bon bah c'est parti. vous les avez dans votre garage, tranquille, hein. Sinon, vous n'avez pas besoin que je vous les achète, c'est bon. Enfin, que je vous donne l'argent pour les acheter. Tout est nickel. Ok, ça S'inquiétez marche. pas. Allez, on y va. Plus vite, allez, go. On donne des Patrouille. informations régulières sur notre position ou ça se passe Ouais, comment? ouais, ouais. Moi, c'est ce que je fais en général. Quand je dis, par exemple, là, je me dirige vers le phare. Et quand je repars du phare, en général, je donne l'information. Histoire qu'on sache un peu où c'est qu'on est, quoi. D'accord. Ah, vous Surtout. allez jusqu'au phare tout seul? Ah oui, moi je fais tout le nord. Moi en général, je fais pas les tours. Voilà. Bon, je vous cache pas que. Par contre, quand je vais dans des endroits comme ça, je sors pas de ma voiture avec le petit pistolet de combat. Je sors avec le gros calibre, quoi. Ah oui, voilà grosse. On sait jamais. C'est pour ça, faites attention. Quand vous allez dans des endroits un peu retranchés, vous sortez votre arme directement quand vous sortez de la voiture. Vous êtes policier, donc vous avez le droit d'avoir votre Bien arme à pris. la main, même si ça peut paraître agressif qu'il y ait un citoyen qui vous dit oui, vous sortez comme ça direct l'arme à la main, vous lui dites mais l'arme pour l'instant n'est pas pointée sur vous, donc vous ne risquez rien. Voilà, mais je préfère, hein, quand vous allez dans des endroits comme ça, vous sortez toujours l'arme à la main. Parce que c'est bien compris. Affirmatif, franco, non. Est-ce que vous voulez un petit beignet ou un petit café? Bah non, monsieur, vous aimez pas ça. Vous voulez pas d'un petit café, c'est ça? Non, Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Allez, patrouiller, plus non. vite, c'est Partez. parti, go, go, go! Ah, j'aime bien quand les petits gars ils courent comme ça, là, purée. Bon, le pénis, là. Alors. Mon colonel, on choisit un matricule ou pas? Pour l'instant, j'ai pas encore pris les matricules, mais ouais, ouais, on va mettre ça en place. Donc, allez, choisissez votre matricule. De toute façon, là, pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Vous avez le choix. 32, s'il vous plaît. Matricule 32, d'accord. Jérémy. Oui, Ouais, ouais. réfléchis, je vous dis ça. Non, j'ai trouvé pour toi. Tu seras le matricule 69. D'accord, c'est bien pris. Juste pour info, pour l'instant, il n'y a personne au mécano, donc.
Ok, donc ils travaillent pas là pour l'instant. Ah, quelle bande de feignants. Mon commandant, quand on tourne à droite, on peut passer au feu rouge ou pas? Vous voulez que ça se passe comment? Alors, quand vous tournez, vous appliquez la règle des 3 secondes. Affirmatif. Voilà, à part si vous êtes en poursuite. Et pareil, gyrophare et sirène, qu'en cas d'intervention. Si c'est pressé et que vous avez besoin d'un petit hot dog, vous le faites sans les sirènes, s'il vous plaît. Affirmatif, commandant. Très bien. On est tolérant au niveau des clignotants ou pas? Alors, au niveau des clignotants, oui, on va être tolérant. C'est ce qu'il nous faut, nous, c'est les refus de priorité, les stops, les feux non respectés et la La vitesse vitesse. et le sens de circulation, tout ça. Bon, les clignotants, on peut passer. Moi-même, des fois, je m'embrouille un petit peu dans les clignotants, donc. Alors oui, au fait, 32, j'ai oublié de vous notifier. Alors si vous croisez un certain Walid, donc lui, si jamais il fait une infraction ou qui fait quoi que ce soit, vous l'amendez direct. Il est dans l'œil du LSPD. Il a déjà essayé d'écraser l'agent 69. Affirmatif. Vous avez l'accès ou pas à prendre à manger dans les magasins? Ah, pour acheter à manger. Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a un problème depuis les tempêtes. Ah, j'ai pas essayé. Mon petit 69, tu peux regarder si t'es vers une boutique. Oui, je vais aller regarder ça. Ok, moi je vais faire une annonce citoyenne comme quoi la LSPD est disponible en cas de besoin. Affirmatif. Pour moi, c'est ok pour la nourriture. Ah, vous pouvez vous? Oui. Ah bon, ouais, je dois. Faut que j'aille faire la sieste, non? Ouais, c'est enfin, c'est dans le truc, mais on peut pas les avoir sous propre. Vous avez réussi à acheter ou pas du coup? Non, pas du tout. Non, vous pouvez pas acheter. Non. Ok, donc ouais. Donc il faut que je change ça. Vous voyez ce que vend le commerçant, mais vous pouvez pas interagir. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Ok.
Ça, je sens les petits gars que c'est encore un coup d'humeur, ça. Sommaire a plus mal de plus voter pour lui. Ah, laissons-lui une chance, il est quand même gentil. Après il fait de son mieux le maire, il peut pas tout faire en même temps le pauvre. Nous avons une bagarre à l'aéroport. Je m'y rends. 10-4. J'arrive avec toi. 10-4. Autorisé pour code 3. Autorisation pour une bagarre code 3, y a pas de souci. Charme. De toute façon, dès que vous avez une intervention, vous mettez en code 3, comme ça au moins. Vous êtes signalé, et si les gens disent « Ah bah on vous a pas vu arriver, hein, vous voyez pas », ils peuvent rien dire, quoi. Bon, moi je vais aller du côté du tabac, voir si tout va bien. 500 mètres de la zone. 10-4. Personne n'est sur l'objectif. On le cherche. 10-4-69, vous êtes sur place? Oui, je suis pas loin là. Je suis sur place en haut avec. Comment ça se passe comment au niveau de l'essence? On paye de notre poche ou c'est la SPD? Non, au niveau de l'essence, c'est à nos frais personnels. Affirmatif. Je passe en code 4. Personne n'a été trouvé. 10-4. Yo, ça, excuse-moi, je suis tellement concentré que je vois pas les messages, quoi. D'ailleurs, faut que je bouge mon écran parce qu'il est mal placé là. Faut que je vois les messages. Hop, je vais m'arrêter là. Bon, comment tu vas donc? T'as vu ma petite voiture de commandant? Elle est belle, hein? Ok, donc j'arrive au niveau du tabac, je vais aller discuter un peu avec le propriétaire. 10-4.
Bon, eh. Hey. Hein? Fais pas le malin parce que t'as pas vu celle qui va arriver. Ouais, t'as vu, c'est payé une petite BM et tout. Non, je suis pas fan non plus de la Subaru Kia. Ok, petit gars, je pars du tabac, je vais en direction de Paléto. Monsieur. Ça va, mon petit? Hey, ça va, tonton? Ouais, écoute, on va attendre 2-3 minutes, on va faire un test pour les petits gars là. Ouais, vas-y, ça marche, y'a pas de soucis. Ce que je vais faire, c'est comme ils savent pas qui a tiré, je vais tirer un coup de feu, je vais me cacher, j'ai caché ma voiture. Et je vais leur dire, là, je leur ai fait croire que j'étais parti du tabac. Et je vais leur dire, fusillade au tabac, tous sur zone. Et on va voir combien de temps ils mettent pour arriver là. Ok. Et Ça quand. marche, y'a pas de soucis, c'est reçu. Allez, décharge, il y a un bâtiment qui s'ouvre. Et dès que. 10-4. 10-4. Et dès que tu les verras arriver, tu fais genre, tu vas viens voir. Tu vois, tu te mets là. Quand tu les entendras arriver, tu te mets comme ça et tu lèves les mains comme si quelqu'un te menaçait, d'accord? Non, essaye de pas me mettre une pêche, hein, s'il te plaît. Donc voilà, donc quand tu les entends arriver, tu te mets là avec les mains en l'air. Et moi je Je serai. sais pas comment mettre les mains en l'air, c'est super. Ah merde, moi non plus. Putain, ils ont changé la touche. Le micro, c'est quoi la marque des manques? C'est un Bird 1. Et moi, ce que je ferais, c'est que j'irai me cacher derrière. Et boum, je leur fais peur, d'accord? Sinon, ce que je pourrais faire, moi, c'est que... Mais un genou, j'arrive. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, attention, Je sais plus si... je vais mettre un coup de feu Attends, dans attends, ton attends. hangar. Je sais plus si où. Ah merde, c'est. C'est Voilà. bon, c'est bon. Ok, donc on fera comme ça, et moi je vais me cacher derrière, et je leur saute dessus dès qu'ils arrivent, ok? Attends, au pire, je mets exactement ici. Ouais, mais faut que tu te mettes un peu plus par là. En fait, faut qu'ils te voient, mais faut que tu sois un petit peu caché.
Ce que je mets là? Voilà, là c'est très bien là. Bon attention, hein, mon petit Lucas, ça va commencer. Ok, 32-69, fusillade au niveau du tabac, au niveau du tabac, je répète, rendez-vous sur zone s'il vous plaît. 10-4, ça se donne on arrive. Ok, moi je suis à d'arriver sur Paléto. Donc faites attention, hein, cette fois c'est pas une bagarre, c'est un homme qui a tiré. Là, c'est parti, mon petit Lucas. Vous avez été vu ou est-ce que vous avez envie de aller sur quelqu'un? Négatif, moi je suis là, j'étais à Paléto. Là, je vais me mettre en route pour arriver. Affirmatif, essayez de nous attendre, commandant, si possible. Ouais, je pense que vous serez sur zone avant moi. D'ici 4 minutes, j'arrive. Je suis à 4. Autorisation de prendre arme létale? Pour un coup de feu, oui, vous sortez vos armes de poing, bien sûr, hein, pas de taser. Hein. C'est un coup de feu qui a été tiré. Hein. Tu m'entends, mon petit Lucas? Vous êtes à combien de kilomètres? 4,32, vous. Et vous, commandant? Moi je comment dire, je suis à 5 km, je me suis trompé de route. Affirmatif. Je vous attends avant d'arriver sur zone. Vous arrivez sur zone, alors le premier attend le deuxième, donc vous allez à 2 minimum. Affirmatif. Collègue, je vous attends sur l'autoroute avant la sortie. Vous voyez où c'est? Ouais, oui, c'est bon, je vois où c'est. Affirmatif. Je vous attends. Vous arrivez bientôt à la sortie? Ouais, Ok, je vous vois. Je vous laisse passer devant. T'inquiète pas, on va te sauver, mon petit Lucas. C'est quoi ma voiture? La voiture, elle est cachée derrière. Je passe par derrière. Fais gaffe, c'est en train de se... Le... Il y a un civil, fais gaffe. Affirmatif. Encore des coups de feu. Vous êtes prêt à rentrer ou pas? Attends, je vais essayer de négocier avec. Reste par le... Reste derrière, tu me dis quand t'es prêt. Je suis derrière. J'arrive les petits gars, vous inquiétez pas. J'aperçois une personne en blanc avec les mains en l'air. Rapport de situation, vous voyez des suspects ou pas? Négatif. Pour le moment, une seule personne en blanc. Je vais faire un tour pour voir si quelqu'un est à l'extérieur.
Il y a une voiture de police. Ah, vas-y les flics, cassez-vous, bande d'enculés. Est-ce que t'es prêt à prendre deux? Je vois une personne au bureau. Ah, le patron, c'est celui-là qui a le main levé. Il y a une personne armée, pistolet léger, il me semble, au bureau. Donc sur votre droite. D'accord. Est-ce que t'es prêt à rentrer ou pas? Allez, on fait rentrer. Affirmatif. On va rentrer doucement. Sinon. Arme lourde. Hein. Allez vous faire enculer les flics, allez vous faire enculer, dégagez ou je le bute, dégagez. Ouais, je dégage les flics là, ou je vous bute là, bande d'enculés. Ok, votre commandant qui vous parle, opération terminée, le suspect c'était moi. Vous pouvez rengainer vos armes. Ah bien joué commandant. Putain, quel con. Attends, je suis m'avait fait paniquer quand même. Ah, mais c'est ça, les exercices. À mon point de vue, j'ai le temps de crever 15 fois tant que vous rentrez dedans. Hein. Bah non, mais bah... Ah, bah si on prend des précautions avant d'y aller, on va pas foncer tête baissée quand même. Non, mais... D'abord sur votre cul et après le mien, quoi. Nous avons aucune information des personnes à l'intérieur, nous allons pas mettre plus de risques en danger que seulement la vôtre. Faut d'abord qu'on sécurise dehors aussi, avant de rentrer. Une fois que c'est sécurisé dehors, on sécurise l'intérieur. Je sais pas c'est qui a la sirène allumée, mais vous pouvez l'éteindre s'il vous plaît. Ah bah on n'a pas eu le temps. Ouais, bah revenez après ici les gars. Bah, mon petit Lucas. J'avais caché la voiture, mais pas trop pour voir s'il la voyait. Affirmatif, commandant. Ouais. Bon, donc j'ai mis ça en place avec monsieur Lucas. Hein, donc voilà, on a fait cet exercice. Donc moi, je trouve que vous avez très bien réagi. Alors, 32, franchement, bien joué. Le tour du bâtiment. C'est très bien, vous avez vu ma voiture, donc je l'ai cachée un petit peu, mais pas trop pour voir justement si vous la repériez direct. Ensuite, moi je trouve l'exercice très bien. Vous avez protégé, vous avez sécurisé les alentours. Donc c'est ce qu'il faut faire dans un premier temps. Ensuite, c'est très bien de ne pas rentrer dedans direct. Alors sachez, monsieur Lucas, mon neveu, que si les agents du LSPD rentrent comme ça, ça peut énerver les suspects et peut y avoir un coup qui part comme ça tout seul. Vous voyez, juste parce que le gars il va être nerveux. Il va entendre des sirènes, il sait qu'il est cerné, ça c'est sûr, donc il risque d'être un peu plus nerveux. Donc on peut pas se permettre de rentrer comme là, ça. Dans le... ouais, je parle. Parce que moi j'entends personne en fait, c'est pour ça. Okay. On a fait du bon taf en gros. Donc voilà, je ferai un petit récap pour Jérémy s'il a un problème d'oreille. Et voilà, donc on peut pas se permettre de rentrer comme ça, comme des cow-boys, hein, Lucas, tu sais très bien. Si jamais on rentre et qu'il s'excite et qu'il appuie, qu'il a le doigt sur la queue de détente, tu prends une balle. Bon, bah c'est très bien. Alors, moi j'ai très bien aimé justement le fait de vous attendre. Bon, sauf que la sortie de l'autoroute, je la connais. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir le premier arrivé sur zone. Il se met quand même à l'écart, mais il essaye d'avoir un visuel déjà dans un premier temps sur la zone. Au moins une vue d'ensemble en attendant son collègue. Bien sûr, pas trop près. Bon, moi j'attends toujours personne. Hein. Oui, ouais. T'inquiète pas, mon petit 69, je vais te récapituler tout ça. Donc, oui, mais voilà. J'attends personne en fait dans le jeu, en fait. C'est casse-couille, quoi, en fait. J'allais faire un dodo, en fait.
Ok, on t'attend, t'inquiète, je t'attends moi. Donc voilà, donc bah écoutez, 32, c'est très bien. Moi, je suis fier de vous. Félicitations. Bah, de toute façon, je vous ai suivi je vous ai suivi à la radio. Donc c'est très bien. Vous avez pensé à demander la position. Vous tenez les coordonnées justement à combien de kilomètres vous êtes. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Donc les informations étaient claires. Donc je suis fier de vous. Monsieur Lucas Destchot, alias mon neveu, vous êtes sauvé. Merci, Speedy. Donc, merci, messieurs. Après, je ne sais pas si on aurait fait le point face à l'arme que vous aviez, commandant. Alors, sachez que ça peut se régler aussi par la parole. Vous voyez, il faut savoir, il faut savoir être bienveillant envers le malfrat, envers le preneur d'otage, en allant dans son sens, dans la parole, mais lui faire comprendre aussi que bah, de toute façon, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut pas le mettre en panique, faut le mettre en confiance, mais des fois, il y en a qui voient qu'ils sont cernés. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, mon petit 32, c'est que lui, il ne sait pas combien vous êtes. Donc, si vous êtes deux, lui, il ne le sait pas. Donc, des fois, vous voyez, par exemple, vous arrivez sur une zone. Bon, là, on a fait cet exercice, j'ai pris personne pour jouer le preneur d'otage. Mais des fois, c'est bien de dire, de faire croire que vous parlez à la radio et dire, par exemple, sniper, restez en position, ne tirez pas. Tu vois? Dans certaines conditions, ça peut être sympa. Ça peut faire, faire croire aux ravisseurs que, voilà, vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a du monde qui les cerné. Et voilà. Oui. Affirmatif. Donc voilà. Monsieur, j'aurais juste une petite question à vous poser, s'il vous plaît. Oui, c'est 100$ la question. Ah mais en fait c'est je voudrais bien prendre des choses dans mon coffre de mon van mais j'arrive pas. Alors attendez. Ouais. Je m'en occupe commandant. Ne vous inquiétez pas. Ouais, 10-4, y'a pas de soucis, je vais rechercher ma petite voiture. Ça y est, tu nous lâches. Ok. Bon, vas-y. Bah, plus tard, frangin.
petit homme. Tout est sous contrôle, commandant. Mon petit Thomas, venez voir. J'ai repéré. Affirmatif. Une faute. Comment? J'ai repéré une petite erreur. Vous voyez c'est votre véhicule à droite? Affirmatif. Vous voyez le mien? Normalement, c'est comme ça qu'il doit être. Regardez, je vais vous montrer pourquoi. Donc, les suspects de l'intérieur vous voient. Montez dans la voiture et descendez de la voiture, s'il vous plaît. Hop, et voilà. En fait, vous descendez de la voiture. Vous avez un visuel direct sur le hangar. Et vous êtes protégé. Vous pouvez vous protéger derrière la voiture en cas de tir. Voilà. C'est un peu comme une barricade. Bon, faites attention quand même à ses limites. Hein. Elle peut vous exploser en pleine tronche. Mais dans un premier temps... Ah, c'est pour ça que j'ai préféré mettre sur le côté. Je me suis dit, le temps que je sorte du véhicule et que je l'équipe de mon arme, faire rien. Bah, en fait, le truc qui se passe, c'est que... Voilà. Alors, quand vous allez... vous pouvez vous permettre une petite pause. Vous descendez de la voiture. Vous faites ça. Vous remontez dans la voiture comme ça. Direct, vous dégainez votre arme quand vous sortez de la voiture. Et là, en vous mettant là, soit vous vous faites cadarder tout de suite dès que vous passez devant et que vous ralentissez. Donc là, forcément, vous allez vous mettre à l'abri. Hein. Je ne vous dis pas de vous arrêter. Si personne ne tire, vous restez comme ça. Visuel sur le hangar. Eux, ils savent que ça y est, vous êtes là. De toute façon, vous entendez, mais ils ont un visuel. Et là, bim, direct, vous êtes derrière le véhicule. Et vous voyez, bam, vous voyez tout ce qui se passe. Comme ça, si vous voyez l'arme qui n'est pas braquée sur vous, vous pouvez hop, changer de position. Vous avez un visuel total sur la chose. Affirmatif. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il faut savoir que quand vous intervenez, vous n'arrivez pas et hop, vous débarquez du véhicule en plein milieu de la scène. Vous gardez quand même... Bon, imaginons que vous avez un petit muret. Là, vous gardez un petit peu juste à côté du muret. Il faut que vous descendiez de votre voiture et que vous soyez directement en sécurité derrière quelque chose déjà. Comme ça, le temps qu'il tire sur la voiture, hop, vous cassez par là. Mais je me disais si c'est un peu trop exposé, quoi, parce qu'il y a une grande entrée, puis là, j'ai pu voir par un petit trou, là, sur le côté. Ouais, mais justement, c'est pour ça. Parce que si vous garez votre voiture là-bas, si vous voulez un visuel sur le hangar, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé de vous déplacer à pied. Tandis que là, vous êtes au loin, vous avez checké les alentours, bim, vous vous mettez là. Et voilà, sauf si bien sûr vous voyez du monde ou une voiture qui est beaucoup plus loin par exemple derrière ce mur, ça veut dire que forcément il y a peut-être quelqu'un qui se cache ici. Affirmatif. Parce que là en plus votre voiture, si vous devez partir en trombe, et il vous faudra faire une marche arrière et repartir. Parce qu'il y a de fortes chances que dans la précipitation là, votre véhicule ne braque pas assez si vous partez en avant. Et vous n'aurez pas la place de manœuvrer pour partir direct. Donc soit on se met en protection comme ça, ou alors votre véhicule, toujours prêt à partir, voilà, il faut que devant il n'y ait aucun obstacle. Est-ce que c'est bien compris les petits gars? Oui mon commandant. Jérémy, tu nous entends là? Ouais, c'est bon. Ok, bon bah je disais que c'était bien. Je te ferai un rapport et pareil, bon, t'as entendu du coup ce qui s'est passé pour le véhicule. Oh, j'ai entendu. Voilà, toujours en protection, vous n'arrivez pas le véhicule de face, hop, vous descendez face au suspect potentiel. Bon, bah c'est bon, bah du coup Jérémy, il va falloir que tu reprennes ta petite tenue. Et puis bah vous pouvez retourner patrouiller, moi je retourne, alors je vous dis tout de suite, j'ai pas encore été patrouillé dans le nord, hein. J'ai été monter ce petit coup avec le patron pour vous tester un petit peu. Yo, merci Zoen Stream, merci pour ton follow. Ouais, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Oui, moi j'avais des mots de tête aussi, c'est pour ça que je me suis dit, en fait, oui, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ça je comprends, mais c'est ce que je disais à ton collègue, c'est voilà, vous êtes attendu, vous êtes donné les informations, c'est très bien, tout dans l'ensemble était très bien. Après, il y a juste le petit véhicule, les positionnements de véhicules et tout ça, qui à revoir, mais c'était très bien dans l'ensemble, je vous félicite. Oui, on n'est pas rentré tout de suite, après, là-bas c'est pour les dehors, quoi.
Voilà, faut pas rentrer tout de suite, hein, sinon dans ce cas-là, on arrive comme des cow-boys, on rentre dans le hangar avec les véhicules, et puis voilà. Hein. Ou alors, je vous sors le véhicule blindé, et puis, allez hop, c'est parti, quoi, non. Vous avez très bien agi, quel que soit ce que Lucas a dit, vous avez très bien réagi. Il y a juste le positionnement des véhicules, toujours prêt à partir. Voilà. On regarde face à la mer. Je sais pas pourquoi j'avais envie de la placer, celle-là. Bon, bah moi je suis fier de vous, vous pouvez retourner en patrouille les gars, et puis on s'y en jus, et gardez l'œil ouvert quand même. Ouais, reçu. Oui, oui, oui. Ok. C'est un bon match de récit, donc après... Bon, petit 32, tu m'as reçu. Ouais. Ouais, je disais, très bien, et tout le monde peut reprendre la patrouille. Affirmatif. Hop, c'est parti. Bravo les petits gars. En tout cas, je suis fier de vous. Commandant, ouais, vous avez moyen de regarder ce que j'ai fait, ce que j'ai fait rapidement là sur l'ordinateur de ma voiture, sur le site de la LSPD. Affirmatif, je vais aller voir ça. Je mets ça comme ça, c'est au cas où, comme vous voulez. Ça, on peut les appliquer dès maintenant. Ok, c'est très bien. Bon, risque d'y avoir des petits cafouillages, mais au début, le temps qu'on les apprenne, mais c'est très bien. Nickel, impeccable. Affirmatif. Jérémy, t'es sur la radio? Oui, oui, je suis sur la radio. Ok, tu regarderas... sur ton ordinateur dans la voiture là, sur la LSPD là. Tu vas voir, il y a les codes qui ont été mis et tout, faut qu'on les sache. Dites commandant. Oui. C'est possible que j'apprivoise un chien pour le service? Alors vous voulez être maître chien? Affirmatif. Eh bah écoutez, il y a pas de souci, hein. En plus vous êtes officier de toute façon, et c'est très bonne initiative, hein. Je vous avoue que moi je préfère, j'aime pas trop les poils dans ma voiture, moi. Mais ouais, vous pouvez apprivoiser un chien, vous dites s'il vous faut des fonds, hein, vous me le dites. Hein. Oh, négatif, il faut juste que je passe à l'animalerie et puis j'ai ce qu'il faut. Y a pas de problème, bon, pour l'instant c'est nous, on a notre pilote d'hélico, donc Alan, mais... C'est pas sûr, là il est en très long arrêt maladie, c'est pas sûr qu'il revienne, donc un maître chien aussi c'est pas mal, c'est bien. Très bonne initiative, donc vous êtes notre petit maître chien. Affirmatif. Ok, c'est bien, comme ça vous allez pouvoir renifler ouais, la drogue. Je vais chercher rapidement, et puis après je vous le présente si vous voulez. Oui, bah écoutez, je vais rester là un petit peu, parce que j'ai des choses à faire vite fait sur ma tablette. Et à ce moment-là, vous revenez là et puis vous me présentez. Je vais le chercher, je reviens. D'accord, y a pas de souci. Très bonne initiative, bravo. D'accord, à tout de suite. À tout de suite. Oh, putain que j'aime la vie de policier. Alors, ça va mon petit Lucas? Du coup, commandant, les codes, on les met tout de suite en place? Oui, bon, même si c'est un petit peu long, parce que faut les lire et tout, le temps de se les rentrer dans la tête, je pense que c'est le mieux, ouais. D'accord, c'est assez visible pour vous ou vous voulez que j'essaye de le faire plus grand? Dites tout de suite que je suis vieux. Non, vous inquiétez pas. Non, négatif. Vous inquiétez pas, je me permettrai pas. J'ai mis ça sur mon téléphone. Vous êtes vieux, mon commandant. Ouf. Oh, purée, toi. Après 32, vous présenterez aussi votre chien à 69, hein? Affirmatif. Ah, vous
pourrais faire un exercice si vous voulez. Vous pourriez lui glisser. S'il y a un petit pochon qui traîne dans les saisies, vous pourriez lui glisser dans la poche et puis demander à votre chien qui lui court après. Ah, affirmatif. Voilà. Oh, mon petit Lucas. Oui. Ouais. Bon, attends. J'ai un truc à faire. J'arrive. Ouais, y'a pas de soucis, tonton. T'inquiète, vas-y, prends ton temps. Ouais, je peux utiliser ta petite machine à café. Ouais, oui, vas-y, tu peux, vas-y. Hein. Ah, merci, mon petit gars. C'est pour servir. Ouais, merci. Hop là, donc merci. Zoen Stream pour ton follow. Merci, merci, bienvenue sur la chaîne. Hop, n'hésitez pas à vous follow, n'hésitez pas à vous sub. Si jamais vous voulez vous sub gratuitement, si vous avez Amazon Prime, vous allez sur Twitch Prime, vous associez votre compte Amazon Prime avec Twitch et vous pouvez vous abonner gratuitement, bien entendu. Donc pareil hein, pour tous les nouveaux arrivants, si jamais vous voulez voir, il y a ma chaîne YouTube où c'est que je mets les rediff. Donc là pour l'instant, ce serveur là n'est pas encore dispo sur YouTube en rediff. Ensuite vous avez le Facebook, vous avez Instagram. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller checker, puis c'est parti. Bon petit café. Hop, monsieur. Regardez Fluffy. Non mais qu'il est beau. Il s'appelle comment, vous m'avez dit? Fluffy. Affirmatif. Bon, très bien. Bah, bienvenue dans la SPD, Fluffy. Hein, j'espère que tu vas nous rendre fiers et que tu vas trouver de la drogue sur ces petits connards. Purée. Eh bah dis donc. Oh, il est en train de me lécher encore. Oui. Ah, il veut des caresses. C'est très important. Oui, ouais, chien. Pour un bon maître chien, il faut savoir être proche et ferme avec son chien. Et surtout, ne laissez pas les autres le caresser, bien entendu. Ah, affirmatif, hein. Sinon, il va plus mourir, hein. Je suis pas fou. Tu veux des croquettes? Tiens, les croquettes. Eh bah voilà. Bon, en tout cas, ce qui me plaît, c'est que vous avez l'air d'être content. Donc c'est bien. Au moins, je sais que vous traiterez l'animal avec le rang qui lui est dû. Parce que bon, c'est un membre de la LSPD aussi. Par contre, commandant, il y aurait moyen de tester ses capacités physiques au petit chien au niveau d'attaque? Bah écoutez, si vous voulez, vous pouvez appeler 69. Ah, je sais pas s'il va bien vouloir. Attendez, le petit va avoir un petit peu mal, il lui faut des protections hein, s'il vient. Vous voulez tester sur un civil? Ah, on peut pas. Bah, vous voulez faire quoi? Vous voulez Allez-y, moi je suis prêt, allez-y. Vous êtes sûr? Vous voulez quoi? Dites-moi exactement c'est quoi l'exercice et je le mets en pratique, j'ai peur de rien. Ah, vous te sautez dessus hein. D'accord, vous voulez... Je vais demander de vous sauter dessus, d'accord. Vous voulez que je cours un petit peu, c'est ça? Oh, pff, comme vous voulez. Allez, c'est parti. Ah, je suis un méchant. Ah. Ah, il a encore des réflexes, le vieux commandant. Qui court un petit peu. Hein. Bah, vous voulez voir comment il fait? Vous voulez qu'il me saute à la gorge, c'est ça? Allez, je suis prêt. Attention, commandant. Allez-y. Eh, faut se bouger là, toutou là. Allez, tu peux le faire. Oh
Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà. Assis. Assis, le chien. Alors, si je peux... Vous voulez le résultat des courses? Impératif. Alors, un coup de croc, c'est 50%, si vous voyez ce que je veux dire. Deux coups de croc, il est coma. Ah, attendez, parce qu'en plus... On m'a dit qu'il savait renifler s'il y avait de la drogue ou pas, s'il y avait des substances illicites. Ah bah écoutez, allez-y, hein, glissez-moi un petit pochon dans la poche si vous voulez. Hein. Tant qu'à faire, on va le tester le petit. Ah ouais, j'ai rien de ça sur moi, monsieur. Bah c'est, je suis con, c'est dans le coffre du saisie. Eh bah on testera ça la prochaine fois. Si on sait de la drogue saisie dans les caisses, on testera. De toute façon, alors je vous préviens tout de suite, hein, on peut sortir un petit truc, donc faut. Faut bien sûr m'en aviser et pour un exercice, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il faudra le rendre. Il ne faut pas que le chien il bouffe hein, parce que sinon il va être un petit peu endommagé, on va dire. Déjà qu'il court pas bien droit. Ouais, et puis il est pas. Excuse-moi, Fluffy, hein, je vais pas te manquer de respect, mais tu cours pas bien vite. Hein. Pas très vif. Hein. Non, il est pas très vif. Hein. Vous avez vu comment je l'ai esquivé. Mais il a du mordant, au moins, voilà. Vous êtes sûr qu'il va pas... Il est pas rapide, mais il a des sacrés crocs. C'est... Ah, ça fait assez peur, ça dissuade surtout. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est comme quand je fais passer le PPA et que je dis aux gens, pour la dissuasion, voilà, un homme qui a une batte de baseball contre un homme qui est armé, je pense que le mec qui a la batte de baseball, bah, il va la ranger vite fait. Et comme ça, il n'y a pas besoin de tirer. C'est bien, mon Fluffy. Bravo, félicitations. Tu m'as bien chiqué le bras. Allez, tiens, une petite croquette. Voilà. Toujours, toujours récompenser son chien. Ah oui. La prochaine fois, ce sera un petit bout de viande. Est-ce qu'il réagit face à un homme armé ou pas? Si je sors mon âme, vous croyez qu'il va réagir? Ouais. Ah ouais, oui, je pense. Oh, 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 le chien, 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 le chien. Oh, commandant. Vous allez bien, commandant? 69. On a un petit problème sur la position. Commandant est à terre. C'est bien, Fluffy. Bah, de toute façon, là, c'est pas possible que j'arrive, je suis en plein... Affirmatif. Je vais lui faire un massage cardiaque. Commandant, vous m'entendez? Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Merci. C'est bien, Fluffy. C'est bien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, commandant. Hop là. J'essaie d'arriver au plus vite. C'est bon, il est de nouveau conscient. Commandant, vous voulez que je vous amène à l'hôpital? Ah, il vous a bien... Ouais, lui, hein. Il m'a bien chiqué. Ouais, je veux bien qu'on aille à l'hôpital faire un petit examen. Vous conduisez pas, du coup, hein, parce que là, je sais pas si vous êtes en état. Ouais, on va demander au médecin. Vous voulez que j'appelle le collègue? Ouais, non, c'est bon, vous inquiétez pas. Ah, il a bien réagi face à votre arme. Ouais, tout à fait. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vite fait comme ça, les gars, il y a Kazis qui m'appelle en MP. Je lui réponds ou pas? Écoute, c'est toi le chef là-dessus. T'as toujours regardé ton accent. T'es là, c'est moi qui lui ai dit de t'attaquer hein, pour l'arme. Je pense que t'as compris. Oui, j'avais compris. Il t'a défoncé.
Hop, fais un petit saut, mon petit 32. Allez, je t'autorise à tester ma voiture. Bah, ton chien, il rentre dans la voiture. Ah, vous voulez que je conduise cette voiture? Ouais. Je vais vous laisser l'essayer. Affirmatif. Allez, rentre à la niche, chien. Bon, de toute façon, je pense que c'est pas grand-chose, mais au moins qu'il désinfecte le... Vous voulez aller à l'hôpital le plus proche? Ouais, allons-y. Bah, le plus proche, il est pas loin. Eh ben, on y va juste le temps qu'il me... Juste qu'il me désinfecte un petit peu tout ça, et puis ça va. Ouais. Bon, je me laisse sirène, hein, parce que vous êtes blessé quand même, vous votre sang, là. Ouais, pour votre plaisir, parce que je me vide pas de mon sang, mon petit, quand même. Ah ouais? Mais non. Ah oui. Vous... En fait... Ah, pourtant, vous avez du sang partout, hein. Ouais, mais c'est parce que c'est au niveau du bras. Au niveau du bras, j'ai... Alors, sachez que... Ah, d'accord. Pendant que vous êtes parti chercher votre chien, comme je savais, je me doutais que vous allez vouloir le tester, j'ai quand même mis des journaux que j'ai ramassés au tabac dans mon pantalon. Qu'est-ce qui se passe, mon petit? Bah. Ça va, mon petit Jérémy? Ouais, ouais, ça va, ça va. T'inquiète pas, mon petit, hein. Je suis un peu blessé au bras, mais ça va bien aller, t'inquiète, je m'étais protégé les jambes, on va tester un peu le chien. Bon, mais qu'est-ce que vous avez foutu en fait? Bah, en fait, on a testé voir si le chien était réactif, s'il était vif, mais... Je crois que 32, il a eu un petit mal de crâne, donc j'attends.
42, vous êtes là. À mon avis, il a du mal à revenir de sa mal de crâne. Affirmativement, du coup, le docteur Aou s'est passé, je l'ai appelé, voilà, il m'a mis une petite pommade sur le bras et tout, il m'a dit que mon tatouage... Ah. T'es dans quel secteur? Pas du unicorn, comme ça. Ok, si tu pourras juste passer vers le Bénis, voir s'il n'y a pas un mécano qui est là. Je sais pas s'il y a des limites, il n'y avait personne encore. Ok, putain, il passe jamais cela. Vous êtes là. Je vais vérifier, je retourne tabac, je vais vérifier si 32 n'est pas là-bas. Oh, si. C'est qui le coup de feu là par contre? C'est pas moi, c'est où? Oh, je crois, il me semble au tabac de nouveau. Ok, j'y vais. J'arrive. Lucas m'a envoyé un message, il y a quelqu'un qui a tiré un fumigène.
commandant. Ouais. C'est vous qui avez tiré un fumigène ? Affirmatif. Ouais. Ça va, mon petit ? Ouais, c'est juste que j'ai vu quelqu'un là-bas, quoi. D'accord, d'accord. Oui, il est parti. Il a pris une voiture, il est parti à toute vitesse. Donc, il n'y a rien à craindre pour l'instant. D'accord. Je voulais juste savoir si... Attends, attends, je me garde, s'il te plaît. Je vais reprendre ma voiture. Alors oui, t'inquiète pas, mon petit 32, j'ai appelé le docteur House. Du coup, il est venu avec son ambulance, donc il m'a mis une petite pommade et du désinfectant sur le bras. Il m'a dit la jambe, j'ai quelques hématomes, hein, parce que bon, ça m'a, j'ai pas été mordu à cause du journal, mais voilà, j'ai eu quelques petits hématomes, donc c'est rien. Affirmatif. Oui, mon petit Lucas, dites-moi, dis-moi. Et juste savoir si vous pouvez juste enlever ce véhicule de police en fait. Oui, oui, je vais le reprendre. Parce que c'est en fait c'est mon sortie de la sortie de mon garage en fait. Ouais, mon petit Lucas, il faut faire un appel police si t'as un homme suspect. Ok, d'accord, y a pas de soucis, tonton. Voilà, comme ça, n'importe qui des agents peut le lire. Alors moi, par exemple, j'étais en train de lire, okay. Et regarde ma voiture, je me suis pris un cactus. Ah oui. Là, je vais voir une fois. Alors, attends, non, mais laisse, je vais voir si les mécanos sont disponibles. Ah non, j'ai juste regardé, hein. De quoi ? Merci monsieur l'agent. T'en es où là? C'est bon, tout est maîtrisé, 32 est là. Moi j'ai appelé un petit mécano parce que mon véhicule est un petit peu fumant. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent ces mécanos, ils bossent pas ou quoi? T'inquiète, mon petit Jérémy, j'ai vu le docteur House et tout va bien. Une petite morsure au niveau du bras, mais bon, ça va, mon tatouage n'a pas morflé. Et au niveau des jambes, comme j'avais mis des journaux, j'ai juste quelques hématomes. Ah, mon petit Fluffy, t'as du bon mordant. Ah ouais, quand même, à travers le journal, t'as réussi à me faire des hématomes. C'est bien, t'es un bon chien, bravo, félicitations. Bon, bah les petits gars, vous pouvez repatrouiller, hein, si vous voulez. Et 32, n'hésite pas à reprendre. Ouais, bah je vais attendre le mécano. Au pire des cas, j'ai un petit kit de réparation s'il faut, mais si le mécano vient pas, mais s'il vient, il va réparer ça, quoi. Mais bon, à mon avis, j'ai pas de réponse, il n'y a pas de mécano, quoi. J'ai juste un petit souci avec mon métier, en fait. Ouais, c'est quoi ton petit souci? Enfin, mon métier, mon... Entre parenthèses. J'arrive toujours pas à sortir les choses du coffre malgré que c'est différents véhicules. D'accord. Bon. Bah écoutez, je vais réparer moi-même. Avec ce véhicule, ça fonctionne. Vous pouvez ouvrir votre véhicule, s'il vous plaît. Bah, c'est pas avec celui-là que j'ai le souci, monsieur. Avec l'autre qui est là-bas. Dis-moi, mon petit Jérémy.
C'est quelle touche sur ma tablette pour ouvrir le... C'est quelle touche sur ma tablette pour ouvrir le coffre? Ok, merci. Putain, je suis balèze. Désolé mon commandant pour tout à l'heure, mais j'ai une migraine. Ouais, y a pas de soucis. Ouais, donc je viens tester le coffre de mon véhicule, j'ai pu mettre des choses, mais pas les reprendre. C'est refermé sur mes doigts. Un fluffy là-bas. Ça se passe bien, Jérémy. Ouais, faut juste que je coupe. Faut juste que je trouve un truc de réparation. Ah, t'en as pas pris dans le coffre? Bah non, en fait. Voilà, comme ça, t'en auras un petit sur toi. Ça va me servir pour réparer la voiture, quoi. Ouais, parce que j'ai l'impression que les mécanos, ils travaillent pas trop, là. Un peu trop aussi. Bougez, Fluffy. Hein. Thank you.
Bah, je pense, mon petit Jérémy, que mon petit 32, qu'on peut reprendre les patrouilles. Et mon petit 69 et 32, je pense qu'il nous rejoindra après. Ouais, je pense qu'il est dans sa tête. Je pense qu'il est dans sa tête là, c'est pas sûr. Ouais, non, il est en. Il est en pourparler avec le patron du tabac. T'es toujours dans le nord, ton truc, ou pas? Ouais, là, je vais à Sandy Shore, là. Ouais, je sais, mais... Je peux te montrer un endroit, peut-être que j'ai une idée, ça pourrait être le truc. Bah écoute, vas-y, envoie-moi une position. Bah, je suis juste à la station essence, là, pas loin de toi, quoi. Tonton. Ouais. Ouais, mon petit Jérémy. Salut tout le monde. Ouais. Allô, allô. Monsieur l'ordinateur. Oui, mon petit Jérémy. Eh hey, coucou, j'ai... Wow, 69. Oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors, plus haut, il y a une ferme en fait. Là, c'est plus haut. Bon, le mieux, c'est d'aller faire deux trucs pour virer tout dedans en fait. Ouais, pas de soucis. Et souvent dans ce sol, en fait, il y a de la drogue. T'as un petit point GPS à me mettre? Enfin, il y a deux, trois endroits, si tu veux, qu'on peut contrôler. Tant qu'on est là. Ouais, vas-y, mets-moi un petit point GPS si tu sais où c'est que c'est. Bah, c'est là dans le coin, c'est le premier, et le deuxième c'est un peu plus haut en fait. Bon, je suis au pire et j'essaie de retrouver l'endroit si tu veux. Ouais, c'est aux alentours d'ici ou pas? Ouais, c'est les alentours d'ici. Ok. Je le retrouve en fait, c'est... Mais quand tu le retrouves, tu te mets pas trop loin, mais ni trop près, et tu m'envoies une position et je te rejoins. D'accord, parce que je fais ça pour les deux positions. Ok, ça marche. Radio à toutes les unités, donc moi et 69, on va se diriger vers des points qui pourraient être des points, soit des points de drogue ou de refourgue, on va voir ça. Vous parliez en radio depuis tout à l'heure? Affirmatif, ouais. Ah, vous pouvez répéter du coup, s'il vous plaît? Ouais, là je disais, avec 69 là, il a repéré des petits points qui pourraient être des points un peu chauds. Donc il va aller aux alentours et me donner une position GPS pour aller voir. Affirme. Commandant, je vous ai envoyé une position. Et c'est pas loin de la mienne là. Ok, pas de soucis. Vous faites quoi, 32? Moi? Oui. Je sais pas trop. Je vais regarder ce qu'il y a dans le motel. D'accord. Bon appétit au fait. Merci. Je vous en prie.
Bah 32, je suis pas loin de l'hôtel si jamais tu veux nous rejoindre pour voir si ça t'intéresse ou pas. Bah vous êtes où? Derrière l'hôtel en fait. Je sais pas si vous voyez. Ah c'est vous là. On attend juste le commandant et puis je vous emmène là-bas. Vous lui avez envoyé une pause? Oui. Au pire commandant c'est ici. Si vous voulez. Envoyer une pause position sur le téléphone en fait. Vous aurez un kit de réparation en trop? Non, j'en ai plus moi. Moi j'ai pas. J'ai utilisé ce que le commandant m'a donné donc. Donc maintenant qu'on peut prendre des petits. Parce que moi je l'ai mis sur le véhicule du commandant lui. Ok, donc faut penser à en prendre 3-4 sur soi à chaque patrouille. Parce que moi j'en avais pris qu'un, je l'ai donné à. J'ai donné à 32. À 69. Ah putain. Et moi je vous ai donné le mien. Donc ici. Normalement, en fait, il y a une case en haut. Alors, oui, quand vous arrivez sur un point chaud comme ça, sortez quand même votre arme. Non, pas obligé de pointer. Ok, donc vous êtes rentrés tous les deux. Je passe par derrière pour voir s'il y a une autre entrée. Affirmatif. Il y a une porte qui donne sur l'extérieur. Entrée par derrière. Ok, reçu. Moi je rentre. Ici, commandant. Continuez. Et c'est sur votre droite. Okay. Il y a une personne dedans. Attention, bombane de gaz. Hein. Présence de bonbonne de gaz, sortez les tasers alors. Affirmatif, une personne à l'intérieur, hein. Et il y a des genres de cubes. J'ai un truc bizarre ici. Là. Les petits gars, je crois qu'on a trouvé un labo de drogue. Affirmatif. Vous voulez que je note la position? Affirmatif, faudra quand même. Comme ça, on pourra venir surveiller par ici. Ok. Bon, les petits gars, on va checker tous les alentours. Comme ça, on repère les fenêtres. Et voir s'il y a. Le meilleur accès pour arriver discrètement ici sans se faire voir. Oui, il y a des en fait, par derrière, on peut venir discrètement. C'est au commandant, j'ai envoyé le dispositif. Enfin, j'ai envoyé le point. Ouais, d'accord. Donc là, je suis sur un petit balcon. Enfin, sur un toit-balcon. Donc, sachez que d'ici, on voit tout. Donc, il n'y a pas moyen d'arriver trop discrètement s'il y a un mec qui fait le guet. Donc, il faudra faire super gaffe quand on tournera par ici.
Je vais faire sentir la bête au chien. S'il y en a. Moi aussi. Attention, un homme assez maigre avec un bob sur la tête vient de descendre d'un 4x4 et se dirige vers le bâtiment. Je le vois, je suis à l'extérieur. Ok, 69, t'as un visuel sur lui? Oui, oui, il a traversé la route, là. Ok, il va à l'opposé du bâtiment, c'est ça, Oui, c'est ça. C'est ça. Okay. Okay. Il y a beaucoup de fumée à l'intérieur du bâtiment. Ouais, faites attention à vous. Évitez trop renifler, on sait jamais ce qui traîne dans l'air, là. Regardez quoi, le commandant. Ici. Ouais. Si je pense que ça en est pas trop sûr. Ouais, pour mon avis, bon, je suis pas comment chimiste. Comment le chien affolé, je pense. Ouais, ouais, ouais. Donc là, bah là, ce petit labo, bah c'est bien. Il est dans notre viseur. On sait où c'est qu'il est et on va faire de temps en temps des patrouilles par ici. Alors donc, si possible, on évite de frapper dans le bâtiment. Donc bah, on va faire un petit briefing de toute façon en bas avec, avec 69. Affirmative. On va sortir de là avant d'être intoxiqué. Oh, le chien boit là. Je sais pas ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'en fait, il vaut mieux éviter de rentrer dedans. Je pense que tout l'air est... Tout l'air sans la mettre là-dedans. Ok, donc ça ressemble à un magasin d'apparence normale. Radio, rendez-vous au poste de police de Sandy Shore pour faire un petit débrief là-dessus. On va pas rester au milieu ici. Affirmative. 69, reçu. Oui, oui, reçu, reçu. Dire que je trouve pas le poste de police de Sandy Shore. Tu veux, moi j'ai des... Je sais où il est. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah voilà. Voilà, c'est très bien, un petit bureau là. Voilà, c'est bon, vous m'entendez, petit gars? Affirmatif. Ok, donc, alors, comme je disais juste avant, donc on a repéré le bâtiment. Et faudra éviter de rentrer dedans, on évitera d'intervenir dedans. Parce que bon, avec tous les produits, toutes les bonbonnes et puis toutes les vapeurs qu'il peut y avoir. Donc le chien était affolé, ça veut dire que il y en a plein dans l'air.
Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui rentre dedans, vous planquez et vous attendez qu'il ressorte. Bien entendu, le but c'est de le prendre la main dans le sac, donc dès qu'il sort, c'est soit qu'il a du produit, ou alors que s'il a pas de produit sur lui, vous lui mettez les menottes, vous le mettez derrière, et bien sûr, vous attendez un petit peu, il y a certainement quelqu'un qui va ressortir de là, mais faites bien attention. Donc quand vous les, si jamais... J'ai pas entendu le début en fait. Ok, il n'y a pas de souci, je reprends. Donc si jamais on intervient ici, surtout, il ne faut pas intervenir à l'intérieur. Vu toute la mettre qu'il y a avec les vapeurs toxiques, tout ça, si le chien s'est affolé, c'est qu'il y en a partout dans l'air. Avec les bonbonnes de gaz, et en plus, sachant que c'est un endroit quand même assez clos, on va éviter d'intervenir dedans. Donc si jamais vous voyez quelqu'un de suspect, vous vous planquez à la sortie, vous essayez d'avoir un visuel de devant et de derrière. Si vous mettez sur les côtés, normalement, ça devrait le faire. Et surtout, évitez le balcon pour pas vous faire tirer comme des lapins. Et vous chopez les gars. Dès qu'ils sortent du bâtiment, vous les chopez. Si jamais vous voyez que vous en chopez un, qu'il a rien sur lui, ça sera un peu suspect. Donc dans ce cas-là, vous lui mettez menottes, vous lui prenez ses moyens de communication, ses armes, enfin tout ce qui peut être dangereux et tout ce qui lui permet de communiquer. Vous le mettez dans la voiture et vous attendez. C'est que sûrement il y a un de ses collègues qui va sortir un peu plus tard. Donc voilà. Donc s'il a rien sur lui, c'est que c'est bizarre. Donc faites bien attention quand vous intervenez ici en tout cas. Vous pouvez planquer un peu plus loin, mais bon, essayez de vous cacher plus à l'angle des bâtiments. J'ai regardé sur le balcon, et sur le balcon, on voit tout. Sauf mis à part du côté où c'est qu'il y avait l'ancienne station. C'est reçu. Oui, attendez deux secondes. Écoute, laisse, on va regarder. Ouais, donc voilà. Écoute, félicitations 32, 69, putain, je me trompe, va falloir que j'arrête. Félicitations pour avoir trouvé ce petit point de drogue. T'en avais un autre, c'est ça? Oui, faut juste que je le retrouve et vous donnerai la position. Ok. Moi, je pense en connaître un, si vous voulez. Ok, bah, y a pas de problème. Bah, on vous suit. Je peux vous y emmener tout de suite, ça va même pas de 3 km. Ouais, y'a pas de soucis, bah on y va, comme ça on va tous les repérer. Je suppose la ferme, c'est ça? Monsieur Alcatraz, d'accord, arrêtez de stream hack et arrêtez de dire que je suis un connard parce que ça a chier pour vous, je vous le dis moi.
Eh ben dites donc, ça ressemble pas à du jasmin, ça. Vous avez vu. Eh ben dites donc, c'est très bien, ça, un petit champ de weed. Bon, on va regarder aux alentours. Ce qu'il y a dans les maisons. Ok, radio, inspection des maisons aux alentours, et de la grange. Affirmative, je note les coordonnées. Rien pour l'instant à la grange. Ok. Bon, aucune entrée sur la maison. Par contre, faites attention sur le côté de la maison, si jamais un jour on intervient ici, il y a une grosse citerne de propane, donc faut faire attention à ça. Affirmatif. Par contre, pas loin, il y a une fin aussi, à vérifier. La tête est ou pas. Ok, donc la ferme, d'accord. Bah, écoutez, à ce moment-là, 69, 32, vous allez visiter la ferme. Moi, je vais aller faire une petite patrouille en ville quand même, parce qu'on est là tous les trois et il n'y a aucun agent en ville. Donc allez-y, vous me ferez un rap. Est-ce que vous voulez que je classe les fichiers à des personnes spécifiques pour pas que tout le monde y ait accès? Tout à fait, oui. Ça serait bien que juste nous ayons accès. Vous trois? Affirmatif. Ouais, voilà. Accès à quoi en fait, j'ai pas suivi, ça coupe en fait la couverture. Accès au point que nous avons découvert. J'entends pas 32 mots en fait, c'est pas ça. Ok, y'a pas de problème, t'inquiète. C'est quoi ce bruit? On n'a pas de la vache là-bas ou pas? Ouais, elle fait des cascades. Ok les gars, bon, on va pas traîner trop par ici. S'il y a quelqu'un qui vient, on va être repéré. Affirmatif. Bon, voilà. Bon, j'ai testé le taser sur les vaches, ça les tue pas, ça va. Sur les animaux généraux, ça tue pas, ils se relèvent. Comment? Sur les animaux généraux, ça tue pas. De quoi? Ouais. Bah, le taser fait pas effet. Oui, oui. Enfin, si, il fait effet, mais ça tue pas. Ok. Oui, 69 et 32, vous allez vérifier le petit point. Moi, je vais faire des patrouilles en ville pour l'instant. Vous me tenez au courant de la situation. De toute façon. 10-4. Oui, bah, si jamais vous avez. Si jamais tu l'entends pas, t'entends pas 32, 69, bah. Tu parles un petit peu radio et puis voilà, t'inquiète. C'est la ferme qu'on doit aller voir. Affirmatif.
Ouais, 69, si jamais tu donnes une information, donne la par radio. C'est qu'elle ferme. C'est qu'elle ferme, on doit aller voir. Juste à côté, en fait. Il y a pas loin, en fait. Ah, c'est l'encontre-bas. Ouais, c'est ça. C'est quelle ferme où tu... Ah, celle-là. Ok. Ok. J'ai quelque chose. Je descends aussi. Commandant, il y a quelque chose. Hein. Reçu. C'est quoi, décris-moi. Ah, attendez, j'y retourne. Alors, on est allé dans le sous-sol. Et. Je crois que c'est le traitement de la coque. Oui, c'est blanc. Attendez, je vérifie. Affirmatif. Vous avez besoin de moi sur place. Bon, non, ça devrait aller. Faites attention à vous quand même. Pas de problème. Oh.
je vous envoie une position, comme ça vous savez où c'est. Si jamais. Ok, très bonne décision. Voilà, ça c'est la position dans la maison en fait. Ok, merci mon petit. Rez-de-chaussée clé. On monte. Ok, il y a une genre de terrasse aussi. On peut monter sur le toit. De fouiller un jeu. Bon, on peut trouver. Ça marche. Ok, 10-4. Donc, vous voulez qu'on aille voir ou pas? Ah non, c'est déjà une très bonne prise pour ce soir d'avoir repéré tous ces points. Donc, reprenez les patrouilles et puis bah, bon travail en tout cas, les gars. Moi, je suis allé au Bénise voir s'il y avait quelqu'un. Ça m'a gêné personne. Oui, bonjour.
Hop, on change l'étude du sommetan. Hop. Feu au coup de feu. Ouais, c'est 10-14. Je me rends aussi. Mètres et vous 1 mètre 50, 1 km 50, pardon. Affirmatif, je reste à 300 mètres. Je vais aller sur le terrain de casino pour l'avoir vu de derrière. Je suis devant, quasiment. Vous êtes où ? Moi, je suis derrière. Je suis au nord-ouest. Ouais, je vous vois. Je vous ai vu. C'est bon derrière pour vous ? Moi, j'ai rien derrière. J'ai rien derrière. Il y a du monde dedans, par contre il y a du monde dedans. Vous êtes sur zone, commandant? Envoyez-moi la position, faut que je mette de l'essence et je vous rejoins. Affirmatif, on est ici. Vous avez reçu. C'est chez le Lost, je crois. On vous attend avant d'y aller. Ok, je passe juste à une station parce que je suis à sec. Affirmatif. Yo, merci. Mouam, Tracker pour ton follow.
Merci pour ton follow en tout cas. Ah, j'ai oublié de passer à la station, putain. J'ai oublié que ça freinait pas. Bon, il arrive, hein, je fais le plein les petits gars. 10-4. Tout se passe bien de ton côté derrière ou quoi? Ouais. Sûrement. Ça me saoule ce bruit, c'est horrible. Ok, je repars de la station, je suis à 1,22 km. Affirmative. En tout cas, restons tes gardes de 32, ça peut venir de n'importe où. Affirmatif. J'ai un. Devant moi, j'ai un accès pour aller sur le toit. J'y vais directement ou pas? Si vous pouvez y aller sans vous faire repérer, allez-y, mais faites attention. Affirmatif, c'est juste à côté de nous. Personne, je monte. Je suis sur le toit. Je suis derrière quelque chose de vert. Ouais, je te vois 32. Charatif. Ok, toutes les unités, je vais rentrer dans le complexe. Pas d'armes à la main, vous me couvrez. Deux personnes devant moi. Nord-est. Ouais, et une personne en dessous de toi. Affirmative. Ok, vous voyez une arme ou quelque chose comme ça? Vous voyez une arme ou quelque chose comme ça? Négatif, pas pour le moment. Ok, je rentre dans le complexe, couvrez-moi. Affirmative, soyez prudent. Bonne de gaz, hein. Reçu. Je vais aller voir les deux Manon. Au nord-est. Ouais, bonjour messieurs. Je vous couvre. Je peux descendre? Je viens de... Ouais, vous pouvez descendre, je viens de repérer un garage. Et on va pas y rentrer, je vais pas y rentrer tout seul. Regardez, fais la photo. Hein. Madame, vous êtes creux aux os ou quoi? D'où vous prenez une photo? Alors sachez que la prochaine fois, c'est interdit de prendre une photo de la LSPD. D'accord? Et rhabillez-vous un petit peu. Ok, tu restes là pour nous couvrir 69. Oui, je reste à l'extérieur, comme ça j'ai lu ensemble. Vous voulez que je passe devant avec la lampe torche, quoi? Je pense que cette porte ne s'ouvre pas. Ah si, allez-y. Allez Fluffy, allez, rentre Fluffy. Non, il est un peu coincé, hein. Faut pas compter sur lui. Allez Speedy, est-ce qu'il y a quelqu'un?
trouve un nom. Psst. Right. J'entre dans les toilettes. Tout se passe bien à l'intérieur ? Affirmatif. Affirmatif. Oh, c'est quoi là dans le coffre ? Des choses ou pas ? Bon, couvrez-moi, je vais ouvrir cette porte. Bon, non, j'ai pas les clés. Ok, je crois qu'on a fait le tour du bâtiment. Tente 2, on va aller voir le petit garage à droite là. Android, il y a des produits, mais je peux pas, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Alors non, c'est des petits produits pour la mécanique, par contre. Il y a des jolies photos. Ouais, vous voyez le chalumeau qui est à ma gauche, là. Donc ça, par contre, il faut faire attention, ça peut servir à accrocher les véhicules. Par terre. Ah, ici. Il y a des belles photos, ici. Bah, affirmatif, ils se font plaisir. Bon, on dirait un petit atelier de mécanique de biker. Bon, par contre, Fluffy... Il est un peu con. Bon, je pense que c'est la porte qui était pas ouverte de l'intérieur. Oh, RAS 69. Ouais, pour l'instant, pour ça, il n'y a rien. Le tour derrière, commandant. Derrière le bâtiment. Venez. Voilà. RAS. Oh, toujours rien de suspect. Toujours rien de suspect 69. Non, toujours rien. C'est que me paraît bizarre. Attention, bonbonne 2-15-3 devant. Et de votre côté, tout se passe bien. Ouais, c'est sûr. Que j'ai eu voir sur toi, commandant. Allez-y, montez par là, je monte de l'autre côté sur l'autre échelle. Ouais, tiens. Ok, on monte sur le toit 69. Je vous vois. RAS sur mon toit. RAS sur le mien. Oh bah ça m'a l'air clair. Ok. Ouais, pour moi ça a l'air d'être clair. Hop là. Parce que moi je suis venu de là-bas. RAS, je pense que quelqu'un doit c'est vous que vous étiez derrière là, au fond? Oui, c'est moi, c'était moi. Ouais, j'arrive par la droite de l'entrée à l'intérieur. Moi je suis ici. Ouais, c'est bon, c'est bon.
je reprends ma voiture du coup quand même. Affirmatif. Commandant, parce que j'ai regardé aussi pour les portes, t'as vu en face là. Ouais. C'est pour ça que je suis resté comme ça en fait. Pour voir. C'est suspect quand même cette histoire. Ouais, c'est clair. Bah. Après, ça ne faisait pas de tête que du taxi là aussi en face. Ouais, ouais, non, mais vous avez raison. Bah, je pense à mon avis que quelqu'un tire un coup de feu mais qu'il s'enfuit quoi. Ouais, c'est pas que tu bouges quoi. On est venu aussi vite qu'on a pu quoi, donc après. Ok. Bon, RS, je pense que le suspect a dû fuir. À mon avis, ça a dû être une petite discussion qui a mal tourné. Et je pense que quelqu'un a tiré en l'air. Ou alors ces petits bikers qui se sont amusés à tirer dans une canette. En tout cas, il n'y a personne de suspect ici. J'ai interrogé les deux qui étaient là. Là les... Aucun blessé non plus. Voilà, donc pas de trace de sang, rien du tout. Tout le monde, personne n'a l'air paniqué à l'intérieur. Après, je ne pose pas la question, est-ce qu'ils ont tiré la coupe de feu ici pour nous détourner de ce qu'on est en train de faire dans le nord en fait. Ça peut arriver. Bah écoutez, vous pouvez toujours patrouiller au point. Bon, bah j'ai pu tester le Granger, il est bien, mais c'est juste pour les voies officielles, ça n'avance pas. Alors faites attention, pareil, hein, si vous voyez, même si vous avez encore la moitié dans vos petits véhicules, pensez à faire le plein, pas se retrouver comme moi, comme un con. Vous savez que j'ai besoin de venir avec vous pour vous soutenir, et j'ai plus d'essence dans le véhicule. Ouais, d'accord, parce que moi j'arrive plus à éteindre mon moteur, en fait. Ouais, j'ai pu constater, oui. Déjà tout à l'heure, j'ai pu constater ça. Eh bah écoutez, pour l'instant c'est déjà bien, hein. Bon, on a vu personne sur la position. Mais on a déjà repéré quelques petits endroits bien sympathiques, si je puisse dire, en public. Bon, bah écoutez, continuez patrouille. Par contre, voilà, si jamais vous patrouillez vers les points Delta, on appellera ça, hein, Delta comme drogue. Donc si vous allez vers les points Delta, surtout, n'intervenez pas seul. Si vous voyez quelque chose de suspect, vous prévenez radio. Voilà. Et si jamais ça peut arriver, si jamais la radio tombe en panne pour une raison X, vous faites un appel LSPD quand même. Comme ça au moins tous vos collègues seront prévenus. Bon, bah écoutez, on va reprendre nos patrouilles et puis moi je fais hop là, coucou, hop, oh là, on dirait que je suis bourré. Bon, bah reprenons les patrouilles les petits gars. C'est parti, let's go, bien joué en tout cas. Bon les petits gars, moi je vais aller voir le patron du tabac si tout se passe bien de ce côté parce que je passe souvent le voir vu qu'il est isolé dans son coin là-bas. Bah je suis passé avant quand avant de venir ici, il était pas là-bas en fait. Ouais, je vais lui envoyer un petit message. C'est l'avantage que ça soit ton frère, dont le monde veut quoi. Oh, ça va les gens quoi. Désolé, hein, je suis à fond dans mon RP donc je vois pas forcément les messages. Mais merci pour les follow, hein. D'ailleurs j'ai un truc à faire.
J'ai un petit truc à faire vite fait. Hop là. Voilà. Alors, copie. Voilà. Tac, tac. Bon, c'est calme hein, pour l'instant. Bien entendu, quand il y aura plus de joueurs, ça sera un petit peu plus mouvementé. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de rejoindre. Hein. Hop. Est-ce que la commande marche ou pas? Voilà. Vous tapez point d'exclamation serve et vous avez le Discord du serveur. Donc c'est un très bon serveur, hein. Il a été ouvert il n'y a pas longtemps. Après il y a encore des améliorations à faire. De toute façon, un serveur c'est jamais terminé, hein. Il y a toujours des mises à jour, des choses comme ça. Donc voilà, après si vous voulez, il y a encore énormément de choses disponibles, hein. Des entreprises, il n'y a pas encore vraiment d'illégal. Fais attention toi, je t'ai à l'œil. Ça allait speedy avant. Prendre un petit kit de réparation. Wow, Maxou, salut. J'ai encore une roue qui a crevé. Comment ça va, Maxou? Radio, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait pas loin par hasard du parking central? Moi je suis Ok, est-ce que tu peux prendre un petit kit de réparation et venir dans le tunnel juste entre l'hôpital et le parking central s'il te plaît, vu qu'il n'y a pas de mécano, j'ai mon véhicule qui est en panne. Ça marche, j'arrive. Tu vois un petit peu la couille. Quel connard, merci. Tu sais comment on ouvre le capot? Ouais, faut que ce soit un peu à l'intérieur, t'entends. Toi, t'as le UF5 là. T'as pour l'interaction véhicule. Ça veut dire quoi, LPD? LPD? C'est qui t'a dit ça? Bah, comment on appelle commissariat?
Ah, le S, le LSPD en fait. Ouais. Bon, attends, ça me casse les couilles, je vais faire ça. Ouais, je suis en 10-19. Au pire, tu dis, tu retournes au Kubiko, ça va plus vite, quoi. Si jamais tu te... Mais putain... C'est n'importe quoi. Bon, viens avec moi. Retour au commissariat. Retour Kumiko. Bon, briefing. Donc, rendez-vous au commissariat dans mon bureau en bas. Bon, alors, Maxou. Affirmatif. Tu me donnes du pain, toi. Oui, je voulais manger, en fait. Enfin, les frites, je les ai. Bah, au moins, tu pourrais être sûr que t'as eu un bon repas pour manger. J'ai vérifié Robert, le gars, le mec du parking, il a l'air de plus Je suis à 2 km. Désolé pour l'attente. Il n'y a pas de souci, je suis pas trop tôt.
Ok, donc t'inquiète pas, j'ai une petite surprise pour vous, les gars. Ok. Il va falloir que je m'entretienne avec monsieur le maire aussi. C'est bon, enfin, je suis là. Ouais, pas de soucis, on est dans mon bureau. On t'attend, 32. Comment? Avec monsieur le maire. Parce qu'en fait, du coup, c'est bien le petit truc, le petit nouveau truc, mais je vois pas les caisses du LSPD, quoi. Ok, bon, bah les petits gars. Bon, en tout cas, déjà, je suis fier hein, pour. C'est une bonne soirée. On a repéré pas mal de points de drogue. Donc, moi, je pense que c'est déjà une victoire parce qu'au moins, on sait aussi que. C'est que vont aller tous les brigands. Et j'ai une petite surprise avec vous, donc je vais vous demander de me suivre sur le parking. Hop, n'oubliez pas de fermer les portes en sortant. Attendez 2 secondes, j'ai un petit message, j'arrive. En tout cas, très beau son, les 32. Ah, vous avez déjà vu ça. Allez, venez avec moi. Allez, viens, Fluffy. Sacré Fluffy. Et il faudra que je pense à prendre mes petits antibiotiques tout à l'heure. Alors, mon petit 32, essaye de m'ouvrir une des portes du garage, s'il te plaît, qui est là. Parmi lesquelles? Parmi celles-ci. Choisis une porte de garage. Toutes ou que celle 2? Ah, parmi toutes les portes de garage, je te laisse en ouvrir une. Vas-y, tu peux monter dans le véhicule et sortir, on se pousse. Affirmatif. Viens mon petit 69. Quelle beauté. Alors, je vous présente la McLaren. Donc un petit véhicule d'intervention rapide. Donc mon petit 32. Ça sera ton véhicule. Tu auras le droit de patrouiller avec. Bon, fais bien attention quand même. Donc voilà. C'est un bon modèle, hein. Ouais. C'est y a pas de souci. Mon petit 69, choisis-toi une porte. Vas-y.
demander des sous. Ouais, c'est bon, là. Ok, bah vas-y, tu peux la sortir. Hey, pousse-toi, Fluffy, va pas te faire écraser, viens. Alors, mon petit 69, elle te plaît cette voiture? Ouais. Agent Jérémy? Oui. Lieutenant? Oui. T'entends parler, Ingame? Ouais. Ah ouais, mais c'est chaud, en fait, ça coupe. Ok, donc okay. Je vais faire ça là. Alors, elle te plaît cette voiture? Ouais, c'est bon. Alors sache que tu pourras patrouiller avec. En fait, j'ai demandé des petites subventions à la mairie et ils m'ont accordé des véhicules un peu plus rapides. Comme ça, si jamais il y en a un qui se pointe avec une grosse voiture, on peut lui courser au train. Donc faites attention par contre, c'est pas des véhicules tout terrain, donc attention quand même. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est moi, je vais ouvrir une porte aussi. Moi j'ai envie de ma pochette surprise. Donc voilà les petits gars, les véhicules d'intervention rapide. Donc de temps en temps, voilà, vous n'êtes pas obligé de les prendre tout le temps pour patrouiller. Mais je pense que ça peut servir. Est-ce que vous êtes contents les petits gars? Bien sûr, on est content. Commandant. Pas de soucis. Eh ben j'en ferai pas Homer, je dirais que mes petits gars ils étaient contents. Et que ça va nous faire du bien. Comme ça, véhicule rapide. Chut. Hop, il va pas être si rapide quoi. Le maire il monte dans mon estime. Ah oui, mais quand je vous dis, il y a des fois il y a des petits soucis, mais le maire il tient à ce que sa ville elle tourne bien, et surtout pour la LSPD quoi. Bon bah les gars, je vous laisse patrouiller avec vos petits véhicules, entraînez-vous, prenez-les en main, et voilà, donc faites bien attention, hein, c'est assez puissant. Et on va tous prendre quelques kits de réparation dans le coffre quand même au cas où. Moi j'en ai pris un moi donc ça semble bon. Je vais en chercher. Ok, moi je vais me garer, je vais en chercher. Il y a des beaux petits modèles. Hein. Oui, le maire a été généreux. Et bon, j'ai fait comprendre que si on avait affaire à des go-fast, c'est pas avec les voitures de patrouille traditionnelles qu'on pourra les rattraper. Ne bougez pas. Tiens, essayez de me prendre mes kits pour voir si ça fonctionne. Merde, j'ai pas pris les bons trucs. Par contre, n'oubliez pas de ranger vos anciennes patrouilles dans le garage pour avoir de la place après. C'est parti. Comment dire, mon petit 32, que ça va être un peu chaud. On va dire que vous avez les poches bien remplies. Ah.
Bah, attendez. Ouais, ouais. Non, mais y a pas de soucis. Attendez, je vais dans mon bureau. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Hein. Donc voilà, mon petit 32, je t'ai promu sergent, car t'as fait du bon travail, on a fait du bon travail ce soir. C'est beaucoup, comment? Ah, pas de soucis, vous avez fait du très bon travail, la session d'entraînement était bien, donc voilà, vous êtes sergent. Bon, vous avez testé un petit peu la fouille? Alors non, alors attendez... Pas de kit de réparation sur vous? Non, attendez. Attendez, c'est pour le kit de réparation. Ouais, nickel. C'est bon. Eh bah, ben, c'est impeccable. Ça fonctionne. Bon, moi je vais aller en prendre quelques, je vais prendre 2-3. Bon, bah les petits gars, on va repartir en patrouille. Et vous inquiétez pas pour les kits de réparation, là je dois en récupérer pas mal au garage, vu que maintenant ils peuvent accéder à leur coffre. D'ailleurs, les gars, pour info, je l'ai viré, c'est le truc de ces morts-là, je sais plus comment il s'appelle. Le moto, là, qui... Il était jamais là, et puis... Il me demandait des fichiers du serveur pour son serveur, du coup, j'ai fait « Benique ta mère », en fait. Okay. Je l'ai pas dit, mais j'ai... Ouais. N'oubliez pas que j'ai une GoPro, faites gaffe. Ah, tu l'as, là? Oui, affirmatif. Ah bah, merde. Affirmatif. Par contre, je vais vous envoyer, je vais envoyer un petit mail au maire là. Un petit mail où ça? Un petit mail au maire. N'oubliez pas, il y a Fluffy sur le parking encore.
Non, c'est son double maléfique. Ok, reçu. Bon, bah allez les petits gars, j'espère que vous êtes fiers de vos véhicules. Affirmatif. Bon. En tout cas, ils sont très beaux. Wow, on pourra dire merci au maire. Bon, moi je vais aller voir ton frère 32. Tu voulais dire 69, non? Oui, 69, putain, faut que je m'y fasse, Bah j'y suis déjà en fait sur place. Ok, il est là ou pas? Oh oui, c'est bon, il est là au tableau. Essayer de faire gaffe à l'essence quand même. Ouais, bien checker les. Comment ça consomme? Ça doit consommer ces petites bêtes. Alors, excuse-moi, je relise. En tout cas, il y a le patron du tabac qui n'est pas. Il va venir chez nous en fait. C'est-à-dire, il va venir au PDP là tout de suite? Non, en fait, il veut lâcher le tabac et puis il veut venir plus en fait à cause des voitures. Bah, super. Attends, j'arrive de toute façon. Ah, t'as vu Gigi, on a des belles voitures à la Speedy. Hein. Je vais essayer d'installer les radars sur le véhicule rapide. Ça va, mon petit neveu. Bonjour,
Bonjour tonton, oui, ça va et toi? Oh bah écoute, on n'a pas chômé là. Donc j'ai dit, Bah, tiens, tu m'étonnes. je vais venir te voir un petit peu, comme je sais que t'es là, t'es à l'écart Ouais, de plus. tout là. Donc j'ai dit, ah vas-y, je vais venir te voir un petit. Ouais, c'est... Comment dire ça? Tu vois, j'aime bien être bien isolé, tu vois, à côté, ni trop loin de la ville, ni trop proche, tu vois, ici c'est très bien, quoi. Tout à fait. Bon, c'est quoi cette histoire que ton frère il me parlait là, l'histoire de la LSPD et de toi? Ah non, j'ai dit Okay. que... En fait, si tu veux, j'ai dit que bon, vous avez des belles voitures, Ok, quoi. Maxou. Et si ça continue comme ça, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je crois que je vais venir là l'esprit, mais bon, pour l'instant, moi, je suis bien au tabac, tu vois. Ok, ouais, bah oui. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoute, nous on a une bonne soirée. Donc là, j'ai présenté les petits véhicules aux gars là. Ils ont choisi un petit véhicule rapide. Comme ça, hop, c'est le maire qui a payé et il a mis des subventions. Par contre, mon Et père, voilà. quand on les mettra dans le garage, ça se passe comment après? T'inquiète, tout ça va être géré après, t'inquiète pas. J'arrive, je fais pipi, c'est tout.
Ok, les faire. Petits gars. Attends. T'es prêt, frère, ou quoi? Ferme. Ouais, bah écoute, écoute Gigi, bah, on va en parler après à ce moment-là, avec tout, avec Jérôme et Jérémy, on va voir. Avec Jérôme et David, putain. Par contre, je suis chaud, quoi. Donc, je t'entends pas. Ouais, t'es obligé de me nettoyer. Lucas, t'es là? Oui. Ouais, t'as vu un peu ton frère, comment il joue le lèche-boule? Ah ouais, ouais, j'ai vu ça, quoi. T'as vu une taf, en fait, c'est pour ça. On en parle de ton employé, là, dégueulasse, derrière, là. Ouais, mais lui, je l'ai pris au marché noir. Ok, je vois. Avec son bide là, il me fait rappeler quelqu'un là, un mec que j'ai connu là, Nightmare là, il se faisait appeler là. Enfin, je l'ai pris au marché noir, façon de parler, hein. Je l'ai pris au. Comment je parle du marché noir, c'est de Pôle emploi. Hein. D'accord. D'accord. Non, mais t'inquiète, j'avais les oreilles bien, bien tendues, hein, t'inquiète. Ouais, mais par contre, il manque un mort. La banque, c'est pas ça. Ouais, bah. Ouais, mais c'est. Ouais, mais t'inquiète pas, je t'ai pris pour l'emploi. Il... Oui, bah oui, on va voir. Traîner, tu vois, je t'ai dit, vas-y, je te. Travaille. Ouais. Par contre, je te donne 500 dollars et plus là. 69, ça se passe bien pour toi. C'est pas 60, c'est pas 69, c'est 32. Bah je paye après, il fait ce qu'il veut. Hein. Putain, 32, ça se passe bien pour toi. Ouais, ouais, nickel. Ok. Bon. Tu te trompes pour toi, hein. Ouais, bah ouais, j'ai. Là, je commence un peu à fatiguer, quoi. Bon. Lucas. C'est moi. Tu sais que t'as un nouveau frère, hein. Ah bon? Dis-moi Lucas, est-ce que tu peux me donner une information due à ton super pouvoir d'adjoint au maire? Est-ce que tu peux me dire combien il y a d'habitants, s'il te plaît? Actuellement, et on est 4. Ok, donc... 4 citoyens. Donc ça veut dire qu'on peut mettre nos doigts dans les fesses pour passer donc, au garage, gros, quoi. Donc en gros, si tu veux, tout le monde est là en fait. Regardez-moi ça, quand je me retourne, j'ai l'air d'une danseuse. J'ai un peu les bras mous quand même, hein, regardez. Hop là. Ouais. Oh, bah c'est bien en tout cas. Allez, moi, Ah, il est invalide le lien. Attendez, j'arrive, juste un petit message de minute. Je vais changer ça tout de suite alors. Hop.
Alors voilà. On y retourne. Peut-être. Non. C'est quoi ça? 95. Non, t'es loin là. Là, t'es loin là. Là, là, t'es là, t'es très très loin. 68. Oh, t'es bientôt. Oh putain, non. Ne me dis pas ça, non. Vas-y. Ne me dis pas qu'il a mis 69. Il va, faut qu'il soit 69, frère. Tonton, c'est. Avec tonton, c'est normal, quoi. Ah, je savais que ça te plairait. Ne me demande pas pourquoi, non, il... Me demande pas pourquoi il m'a mis 69, mais il veut que je le mette 69. Eh bien, hein. Eh bah faut pas s'énerver mon petit 32. Ah mais t'es pas... Ah ouais, je trouve plus mon chat. Eh bah bravo, 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 bah belle mentalité hein. Alors, hop là, attends. Lucas. Mon petit oui. Lucas. Tu veux voir la... Oui. Tu veux voir la nouvelle voiture de 32. Donc 32 c'est Thomas. Oui, j'ai... Ok, 32, enchanté, Thomas, moi c'est... T'es croisé déjà, moi c'est le patron du tabac. Voilà. Bah, enchanté. Donc, ah, tu... Je m'appelle Lucas Dichot. Ah, d'accord. Tu te rappelles pas de lui? C'était l'ancien patron du taxi. Ah, ok, oui. Ok. Ouais, oui. Donc voilà, donc bah oui, okay, tu te ouais. rappelles pas de lui. Donc le petit Lucas, dans le milieu, ah, en fait, c'est... dans le milieu on l'appelle Pinoff. P-I-N-E off, pin off. Parce que son zizi il marche pas bien. Oh là, vol de véhicule. Est-ce que je lance? Allez, go, c'était à l'aéroport. Tout le monde en route. Quelqu'un a retenu le modèle de la voiture? Négatif. Kilomètres de zone cible. 10-4, 5, 4 km 80. À mon avis, il est peut-être plus sur place. Hein. On va boucler, c'est pas grave. Faut que quelqu'un essaye de partir dans l'autre sortie de l'aéroport quand on va tout droit et qu'on reprend pas l'autoroute. Je sais pas si vous voyez. 10-4, je vais essayer.
Je veux voir là où on passe le permis. Affirmatif, je m'y dirige. Position. Il y a personne là où on passe le permis. Disquette, je vais aller au parking central, on sait jamais. Je vais vers le Benny's. Je coupe la scène pour peu qu'ils nous entendent. Disquette, pareil. Par contre, faites gaffe, j'ai eu une roue crevée sur le chemin, donc il y a sûrement des petits bruits sur le sol. 10-4-69. Quelqu'un va vers le taxi, là, vers le lac. Je fais le plein et j'y vais. Ok, reçu, moi je vais arriver au parking central. Moi je suis vers Pôle emploi. C'est vous ? Miroir Park, près du taxi. Taxi, confirmé. Ok, je fais le tour par les bikers de tout à l'heure, tu fais tour de directement à gauche. Affirmatif. RS à l'extérieur. Me gare sur les taxis. Ok, je suis sur les taxis, je vais contrôler la plaque là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien. On nous aurait signalé une bagarre par ici. C'était de moi quand j'ai peut-être fini. J'ai eu un petit problème de nerfs et mon poing qui est parti dans les airs. D'accord, affirmatif. Nous cherchons une voiture probablement volée et qui roule potentiellement dangereusement. Est-ce que vous l'aurez vu? Non, pas du tout. Moi, j'ai juste d'arriver. D'accord. Parfait. Dites-moi, mon petit monsieur, c'est à vous la belle voiture noire là? Non, on me l'a prêtée. On vous l'a prêté, vous l'avez conduit. Comment monsieur? On vous l'a prêté, vous êtes venu avec, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, ce véhicule est inconnu. Il n'a pas l'air fracturé. Affirmatif. Dites-moi, monsieur. Ouais. C'est qui la personne qui vous a prêté cette voiture? J'ai pas le nom en tête. D'accord. Sachez que ce véhicule n'est pas enregistré à la mairie. Donc voilà, donc je me demande comment. Vous avez les clés du véhicule?
Non, moi j'ai pas les clés sur moi là. C'est juste le doublon en fait. Vous avez le doublon, vous pouvez me verrouiller. Bon, en fait, j'ai juste la clé pour démarrer en fait. J'ai pas le passe quoi. D'accord. Donc vous ne rappelez pas du nom de celui qui vous l'a prêté. Ouais, c'est ça, ouais. Alors sachez, monsieur. Vu que je suis nouveau en ville. Alors sachez, monsieur, que si jamais on vous prête une voiture, faites Ouais. attention, demandez à la personne de vous verrouiller ou de déverrouiller le véhicule devant vous, parce que là, ce véhicule n'est pas D'accord. enregistré, sachant qu'il n'a pas été fracturé, c'est-à-dire qu'il a été crocheté. Et justement, on recherche des gens qui auraient subtilisé des crochets pour ouvrir les voitures. Donc j'espère que c'est pas vous, monsieur. D'accord. Non, moi je fais pas ce style de truc. Moi, comme j'ai pas encore les moyens de m'acheter une voiture, on me l'a prêté, puis voilà quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, vous pouvez me montrer votre carte d'identité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, tac, hop, alors, voilà. Monsieur McFly Marvin, ok. Ouais, bon, de toute façon, on se connaît un petit peu, on s'est déjà croisé. Ouais. Donc sachez que si jamais vous auriez été pris au volant du véhicule, vous auriez été amené au LSPD et vous auriez pris une amende pour vol de véhicule. Car le véhicule n'est pas D'accord. Dites-moi, je enregistré. pourrais voir votre carte d'identité rapidement, s'il vous plaît. Donc sachez que même si c'est pas vous qui l'avez subtilisé et qu'on vous l'a passé, en vous disant tenez, tiens mon ami, je te la prête, c'est vous qui êtes au volant. Donc si vous conduisez un Ouais, véhicule c'est ça. volé, Ouais, je veux bien comprendre. donc voilà, donc faites bien attention. Ouais, je veux bien comprendre. Ok, monsieur l'agent. Alors par contre, je suis désolé, mais le véhicule de votre soi-disant ami qui l'a obtenu soi-disant également, je suppose, va partir en fourrière. Oui, pas de souci. Pas de problème. Moi, je préfère que vous fassiez votre boulot et qu'elle aille ailleurs, que je risque d'avoir plus de problèmes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez pas de petit véhicule, monsieur? Non, pour l'instant, j'ai pas encore de véhicule. Là, j'essaye de monter un peu les caisses du taxi, vu que je suis le patron maintenant, du taxi. Là, j'essaie de remettre un peu bien financièrement l'entreprise, et puis voilà, quoi. D'accord. Vous savez qu'il y a des petits véhicules pas chers au concessionnaire au cas où. D'accord. Ou au pire des cas, un petit scooter même, vous avez vos permis. Pour l'instant, j'ai juste le permis voiture. Je sais pas si avec le scooter c'est passable ou faut passer le permis moto. Non, avec le scooter, le permis voiture, ça vous va. Il n'y a pas de souci. C'est au-dessus du Ok. scooter. Là, par contre, il vous faut le permis moto. Donc, je vous conseillerais D'accord. d'aller au concess et vous verrez, vous avez des petits véhicules pour 18 000 $ ou alors vous avez les scooters. Mais surtout, évitez de vous balader avec le véhicule de quelqu'un qui va vous le prêter généreusement. En général, c'est rare qu'on prête un véhicule. Ouais, voilà. Pas Bah, de d'accord, c'est souci. noté, monsieur l'agent. Monsieur McFly, est-ce que je pourrais prendre votre numéro comme vous êtes le patron du taxi? Ça peut toujours servir. Alors moi, pour l'instant, j'ai quelques soucis de téléphone. J'ai mon téléphone qui bug et j'ai rien qui s'affiche, du coup. C'est un peu compliqué en ce moment, donc il faudra que je voie. Avec quelqu'un pour modifier cela quoi. D'accord. Bah, Faudra que je joue avec le je pense qu'il faudra que je joue avec le gouvernement, je pense. d'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur McFly, de toute façon, je vais. J'ai votre mail, hein, parce que j'ai l'adresse mail de toutes les entreprises de la ville. Donc je vais vous envoyer un Ouais. petit mail pour vous expliquer la procédure à suivre par rapport à ça. D'accord. De toute façon, je regarde souvent mes mails, du coup, voilà, je risque de le voir. Bon, je vous rassure, j'ai juste une petite grippe. Hein.
Voilà, monsieur, je vous ai envoyé un petit mail sur votre boîte mail du taxi. Donc voilà, je vous ai indiqué la marche à suivre. Donc faites attention. D'accord. Officier 32. Sergent. Ah, je crois. Je crois qu'il est parti. Il partit un peu dans ses rêves. Oui, mon petit 69, est-ce que tu peux mettre véhicule en fourrière, s'il te plaît? Ouais, il n'y a pas de souci. En tout cas, vous avez de très beaux véhicules. Ah, merci, monsieur. Bah, ce n'est pas mon cas, moi, malheureusement. Mais vous inquiétez pas, Du tout. vous allez voir. Ouais. J'ai que ces. Tous les mêmes véhicules comme ça. Et franchement, il y a certains qui ont du véhicule. C'est pas. Mais bon. Il faut bien qu'on rattrape les véhicules qui sont rapides, bien entendu. Ouais. Bon. Ah bon. C'est pas avec moi qui aura beaucoup d'excès de vitesse hein, avec cela. Ça va pas bien vite. Hein. Ben, vous savez, les taxis, quand même, même si ça roule pas vite, vous pouvez toujours être au-delà. Bon, c'est sûr que ouais, pour faire une course-poursuite avec nous, ça va être un peu difficile, hein. Puis je vous le conseille pas, hein, parce que bon, Ouais. on est un peu comme des Bah, vu que je pitbulls. vois les bolides, face à contre une Ferrari ou contre une McLaren, je pense que je suis pas très le point. Pas de souci. Bah écoutez, monsieur McFly, bah on va s'entretenir, vous et moi. C'est bon, t'as mis Ouais. le petit véhicule en fourrière, mon petit 69. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, sergent. Ah, c'est Oui, parti, bon, comment? oui, bon, le véhicule a été mis en fourrière. Bah, je vous laisse retourner en patrouille. Je vais m'entretenir avec ce monsieur. 10-4. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. Bonne patrouille. Venez avec moi, monsieur McFly. Ouais. Bah, venez, on va aller dans mon bureau. Ah, Si bah vous oui, voulez. faites-moi voir On votre moque ce. bureau. Alors par contre, faites un petit saut, s'il vous plaît. Hop, voilà. Ah la vache, c'est joli, dis donc. Ouais. Moi, excusez-moi, je suis pas encore mis en tenue de travail, j'ai dû d'arriver. Ouais, y a pas de souci. Bon, Michel et Jacques arrêtent un peu de courir là. Messieurs, Ils font n'importe un quoi. peu de discipline, s'il vous plaît. Vous avez peur de la police? Vous avez quelque chose à cacher? Attention, je vous ai à l'œil, Oh, bordel! mais c'est Michel et Jacques, il faut pas chercher. Ouais, bah ouais, vous savez ce qu'on dit, on dit merci qui, hein, bon. Ouais, voilà. Hop, voilà. Bon, on va aussi mon petit bureau. Purée, c'est la classe. Ah là là, hey, j'ai connu. Ouais. Hey, franchement, j'ai un ami dans une autre ville, là, il s'appelle Kirikou, il est patron du taxi aussi. Ah oui, ouais. Ah, il a pas un aussi beau bureau que ça. Ah, purée. Ah bah, j'ai peut-être un ami qui le connaît, moi, il habite aussi dans une ville, dans une autre ville, et il s'appelle Maxwell. C'est un gérant de bar. Ah bah ils doivent D'ailleurs, j'ai sûrement. plus trop de nouvelles de lui. Ouais, ben Ouais. moi il m'a dit qu'il y avait des petits problèmes et tout, qu'il y avait une épidémie dans la ville, donc ils ont été mis en quarantaine. Ouais, bah, moi, j'ai pas eu de nouvelles depuis, ça fait un moment déjà. Bah écoutez, ça doit être pareil pour lui, sauf que il y a certains. Bon, le petit Kirikou, il est malin, il trouve toujours un moyen de communiquer. Oui, Dites-moi, ouais. monsieur McFly, on va parler d'homme à homme, hein, pas de citoyen Ouais. à agent, enfin commandant en l'occurrence. Dites-moi, c'est quoi l'état de vos finances là en ce moment? Alors pour l'instant, l'entreprise, bon, là vu qu'il y a une, vu que le gouvernement a fait une modification de, j'ai plus trop les finances de l'entreprise, mais dernièrement j'avais dans les 40 000 pour l'entreprise et moi ça doit être pareil quoi, à peu près quoi. D'accord, en fait vous voyez plus les caisses de votre entreprise, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je vois que mon compte quoi. Ok, alors vous voyez sur Même votre. mon compte, je le vois plus. Ok, donc sur votre ordinateur, Ouais. vous allez sur le clavier là, allez-y, et vous Ouais. faites F5. Ouais. Ouais, ça, j'ai ça. Et normalement, vous avez gestion d'entreprise, non? Vous avez un petit Ouais. dossier gestion d'entreprise, vous cliquez Ah oui, dessus. voilà, c'est bon. Voilà.
Aïe, tout ça. Ok, donc il y a une tempête qui s'annonce. Ouais. Alors, et voilà, donc vous avez combien dans vos caisses? Là, j'ai 36 736 $. D'accord. Puis-je vous poser une question personnelle? Vous avez vu l'annonce, il y a une tempête de plus en plus longtemps. Affirmatif. Oui, vous avez combien dans vos comptes à vous, personnellement? Alors, j'ai regardé ça. Alors, inventaire. Non, je le vois pas là. Vous allez dans votre ordinateur, vous faites F2. Ouais, F2, voilà. Alors moi j'ai 49 000 à banque et 15 000 sur moi. D'accord, donc avec ça vous pouvez vous acheter un petit véhicule, monsieur, au... Ouais, voilà, ouais. Bah écoutez, à ce moment-là, moi je vous dis allez au concesse, prenez un petit véhicule. Et puis voilà, vous allez voir, il y a des très beaux véhicules dans des prix corrects hein, quand même. Ouais, voilà. Ouais. Vous y allez et puis alors par contre prenez de l'argent sur vous parce que quand vous rentrez dans le catalogue ouais, et que vous ressortez, voilà, vous avez un petit souci. Donc surtout ouais. Voilà, après la tempête, passez au concess et puis regardez bien les voitures. Vous allez voir, vous avez des belles voitures pour 18 000 et tout ça. Ouais, j'ai déjà vu, faut que t'aies un peu fait déjà le catalogue. Ok, ouais. Bon bah acheter un petit véhicule. Bon bah je vous laisse, je vais aller ranger mon véhicule avant la tempête parce que sinon ça va être le bordel. Ouais. Ça va me coûter 500 ouais, dollars voilà. Encore. Bon bah très bien monsieur McFly, oui. Faites attention à vous. Très bien. Bonne journée à vous monsieur. Bonne journée, merci. Bonne journée à vous. Allez c'est parti. Bah Jackie Michel, arrêtez de faire les cons là. Je vous ai à l'œil. Je vais aller ranger la voiture avant qu'il y ait la tempête. Allô, tu m'entends? 69, tu m'entends? Non, je vous entends pas. Ok, on va aller ranger les voitures vite fait avant que la tempête arrive. C'est aussi parce que je suis venu ici parce qu'il y avait une bagarre apparemment. Mais... Ouais, c'est en fait c'est Jackie et Michel qui font les cons. N'oubliez pas de redéposer vos armes dans le coffre. Ouais, moi j'arrive pas à ranger la voiture en fait.
Ouais, c'est normal, laisse-la sur le parking. Hop, voilà, on va attendre le feu vert, les loulous. Alors, poum poum poum, poum poum. Est-ce qu'il m'a envoyé le petit mail Maxou. Des belles voitures. On a des belles voitures, les petits gars. Bon, tac, tac, tac. David, t'es là, t'es sur le live là. Là sans être là. Bon, t'as vu un petit peu, il s'attendait pas à avoir la police sur le dos, Maxou. Thank you.
J'avoue, on est arrivé comme des cobayes. Il est où l'état du serveur déjà? Statut du serveur. De toute façon, on va pas tarder à arrêter, les gars. Non, je crois qu'il était pas prêt, Max. Bon, désolé à ceux que je vois pas direct les messages. Hein. Normalement, il m'a dit up. Donc, normalement, c'est bon pour le serveur. Voilà, c'est bon. Vous êtes toujours là, les petits gars. Je pense que j'ai un petit peu bugué.
cas, bah, ça se fait que c'est tout cassé. Ah non, c'est mon 5M qui a bugué. En fait, si tu préfères, quand je vais dans le. Quand je fais le contrôle Alt Sup et que je regarde le processeur, j'utilise 100% du processeur. Donc. Bon, ça a du mal. Hein. Bon, bah, les petits gars, moi, je vais arrêter le live.